Mesdames et messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver pour ce plateau spécial. Le président du Bénin, Patrice Talon, dès son avènement à la tête donc de notre pays quelques mois après, a lancé le programme d'action du gouvernement dénommé Bénin Révélé. C'est un programme d'investissement d'envergure qui repose sur 45 projets phares dans 9 secteurs clés. Ce document programme vise à relancer durablement l'économie du pays. Nous a-t-on confié le lancement, on s'en rappelle, c'était donc le 16 décembre 2016, il y a 3 ans donc. Quelle analyse comparative peut-on faire de ce qui a été promis donc dans ce document en programme et ce qui est fait 3 ans après? Ce qui est fait a-t-il un impact sur le quotidien des Béninois? Voilà entre autres questions que nous aborderons tout au long de cette émission spéciale initiée pour vous et pour conduire donc les débats. J'ai à mon côté Théodule Moussa, bonsoir. Oui, bonsoir Roumia Drouhi, bonsoir chers téléspectateurs, merci d'être avec nous. Et sur ce plateau pour discuter de la question, nous avons des minutes de personnalité. Tout de suite, je me tourne vers ma gauche. Monsieur Marcelin Aronoukou, honorable Marcelin Aronoukou, je rappelle, il est membre fondateur de l'Union progressiste et président du groupe parlementaire Union progressiste à l'Assemblée nationale. Honorable Aronoukou, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Le journaliste, je suis là, vous m'avez invité, il n'y a pas de quoi ne pas répondre, je suis là. Merci de toujours répondre à notre invitation. Ensuite, nous avons Fred Kouenou. Fred Kouenou, il est membre du parti Foscori pour le développement du Bénin. Bonsoir, Fred Kouenou. Bonsoir, monsieur le journaliste. Merci d'être avec nous ce soir. C'est un plaisir pour moi. Et enfin, Théophile Dossou, je rappelle, il est syndicaliste, il est le secrétaire général de Unité CNHU. Monsieur Dossou, Théophile, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Merci de répondre à notre invitation. Merci aussi pour l'appel. Alors, tout de suite, Romia Doron, si vous le permettez, je m'en vais demander d'abord à l'honorable Aronoukou Marcelin, pourquoi un programme d'action de gouvernement? Pourquoi est-ce que tout gouvernement qui vient, qui prend les rênes d'un pays, décide de présenter un programme de gouvernement de développement pour son pays? Merci, c'est gentil. Et bonne question. Si nous sommes ici, c'est parce que le programme d'action du gouvernement actuel est en train de faire 3 ans. 2016, sur le programme 2007-2021, c'est un document élaboré et que nous suivons comme une boussole. Donc, toute l'orientation du régime est là. Avant ça, j'aimerais attirer votre attention sur d'abord ce qui a généré le Bénin révélé, qui est le programme d'action du gouvernement. Il y avait le nouveau départ. Sinon, nous sommes en train d'oublier déjà ce qui a suscité l'adhésion du peuple béninois à porter leur choix sur l'élection du président Patrice Talon. Il y a eu le Bénin révélé quand il nous avait parlé de fond en comble sur ce que va être sa gestion du pouvoir. Nous avons été séduits, comme tout l'ensemble, presque la majorité des Béninois, et ils ont adhéré. Il s'est fait que il a été porté par une coalition. Dans la coalition, il fallait maintenant trouver un programme consensuel, ce qui a généré le Bénin révélé que nous avons. C'est un plan d'action. Et je m'en vais vous dire que, au moins aujourd'hui, nous suivons le régime, l'évolution du régime, ce que le gouvernement fait aujourd'hui à travers ce programme-là, c'est déjà bon. Et ça veut dire qu'il n'y a pas d'improvisation. Tout ce qui est dit se fait, tout ce qui sera fait se dit. Donc ça permet à tous les Béninois de suivre l'évolution du pays. De quoi s'agit-il? C'est simplement la réduction de la pauvreté. Quand vous regardez tout le programme, il s'agit de réduire la pauvreté. Les Béninois sont tellement pauvres qu'il faut un plan d'action bien élaboré, bien concocté.
impulser le développement à travers le programme d'action du gouvernement. Vous allez lire tout ça. Et tout concourt vers un seul objectif, réduire la pauvreté. Et donc, c'est comme cela que vous synthétisez le programme d'action du gouvernement. C'est bien cela. Voilà, plus de 9 000 milliards de francs CFA, certains avaient dit en son temps que c'est irréaliste. Est-ce que vous partagez la même opinion quand vous avez quand même appris, après ce lancement de Bénin Révélé, vous aviez la même opinion, Fred Kouenou, à l'époque? Écoutez, je crois qu'un État qui veut se développer doit pouvoir se donner les moyens de le faire. Je ne dirais pas que le programme d'action du gouvernement est exagérément ambitieux, mais je pense que c'est une volonté, c'est la traduction d'une volonté. Depuis que je vais jeter un pavé dans la mare, depuis que nous avons décidé collectivement de ne plus avoir des plans d'État de financement de notre programme de développement national et que nous avons laissé la possibilité aux différents candidats au présidentiel, devenus ensuite président de la République, de mettre en place un programme pour le développement du pays. Et donc, il va de soi que chacun des présidents qui vient depuis l'ère du renouveau démocratique propose un programme de développement qui découle de son projet de société pour lequel il a fait campagne et pour lequel il a été élu. Donc, je pense que les Béninois, comme l'a dit l'honorable, ont opté pour le nouveau départ en 2016, et le nouveau départ nous a proposé son programme d'action qu'il a dénommé Bénin Révélé et qui doit nous coûter 9 000 milliards. Je crois qu'à l'analyse, on peut se rendre compte que progressivement, au dit des uns et des autres, notamment des acteurs du nouveau départ, le programme est en train d'être exécuté. Donc on n'a plus à s'inquiéter du financement puisque nous sommes tous en train de contribuer collectivement, la preuve. Nous sommes en train de. Le président nous a demandé de faire violence sur nous-mêmes, tous les compatriotes, de faire violence sur nous-mêmes et de faire des efforts allant dans le sens de l'exécution de ce programme. Donc nous y sommes déjà. Maintenant, reste à savoir le contenu. Est-ce que chacun de nous trouve son compte et comment ça se présente? Quel est le bilan à la date d'aujourd'hui et quelles peuvent être les perspectives pour les deux ans ou moins de deux ans qui restent? Je crois que c'est ça la question fondamentale. Et à cette question, nous allons en discuter, en parler avec vous. Monsieur Dossou Théophile, vous qui êtes syndicaliste, acteur politique, observateur et tout, analyste, est-ce que ces secteurs qui ont été visés, d'abord je prends le secteur qui est le vôtre, la santé, est-ce que véritablement on pourra retenir quelque chose, sentir qu'il y a des avancées dans ce secteur? Merci monsieur le journaliste. Nous, syndicalistes, c'est-à-dire représentants des travailleurs, n'a pas toujours la même attitude que les autres. Les promesses des nouveaux élus, c'est-à-dire qu'ils soient chefs d'État ou députés, nous paraissent toujours comme une utopie, une manière de dire au peuple, nous sommes là, on veut faire quelque chose. C'est au fil des mois que nous avons constaté que dans le secteur, il y a un léger décollement. Sinon, il y a des actions qui sont menées. Et j'avoue que à l'arrivée du président de la République, il y avait un document qui était produit qui concernait notre secteur. Il y avait eu beaucoup de remous. Ça avait même suscité une grève. Et ça a fini par se temporiser. Mais aujourd'hui, nous avions été agréablement surpris par les actions du gouvernement. Donc je crois qu'au fil du temps, on pourra aborder réellement les réalisations dans le secteur. Et selon vous, ces actions, est-ce que vous pouvez nous les citer déjà? Bien sûr. En grand sens, la première action du gouvernement qui est dans la mémoire de tous les Béninois, le président de la République, à travers son gouvernement, a dit à partir d'aujourd'hui, vous ne pouvez plus être assis sur deux chaises. Alors la bioappartenance. Alors que vous soyez médecin, chirurgien, dentiste ou infirmier ou sage-femme, vous aurez à choisir entre le secteur public et le secteur privé. Or, c'est une bataille que nous, syndicalistes, on avait faite dans le passé. Pendant près de 10 ans, on n'a jamais réussi. Parce que cet exercice illégal à deux endroits fait que les citoyens moyens ou pauvres ne retrouvent pas le médecin quand est-ce qu'ils veulent. Alors, le chef de l'État, comme un rêve, a
a imposé ça au secteur et aujourd'hui, nous sommes tous heureux. Parce qu'on ne peut pas adorer deux dieux à la fois. Alors, à supposer qu'un médecin travaille dans un hôpital comme CNHU et qu'il est appelé à être présent à 8 heures à son poste, s'il a une structure privée, il est obligé d'y passer avant d'arriver au CNHU. Son arrivée au CNHU sonne peut-être midi ou 13 heures. Souvent, les malades sont fatigués, ils sont partis. Et parfois, ils ne viennent pas. Donc, cette volonté farouche du gouvernement à travers son chef a réduit certains risques pour les patients. Et aujourd'hui, chaque Béninois retrouve son médecin alors qu'il veut, à l'heure qu'il veut, que ce soit en privé ou en public. Parce qu'il y a toujours des gens qui ont les moyens et qui ont le choix d'aller en privé. Ils trouvent leur médecin et leur traitant là-bas. Ceux qui veulent venir en public viennent en public. Ça, c'est la première prouesse. La deuxième, c'est quoi? Le secteur de la santé était pratiqué par des non-professionnels. Des non-professionnels? Oui. Alors, dans les quartiers de village et de ville, même à Cotonou, si vous retrouvez une couturière qui dit qu'elle est sage-femme ou infirmière, c'est elle qui accouche nos femmes. Il y a beaucoup de dégâts. Est-ce que vous n'exagérez pas en disant ça, par exemple? Non, du tout pas. Un couturier ou une couturière? Du tout pas. La preuve, quand le parquet a voulu se mettre dans la danse, il y a beaucoup de non-professionnels qui ont été arrêtés et déférés devant les parquets de nos tribunaux. C'était une réalité. Bon, on a fini par les relâcher, mais c'était une manière de dire, vous ne pouvez pas exercer ce métier. Parce que c'est suffisamment grave que celui qui n'a jamais fait une école professionnelle de santé dit qu'il est agent de santé et qu'il traite des Béninois. Autrement dit, des hommes, pas des animaux. Encore qu'ailleurs, pour traiter les animaux, il faut avoir la spécialité. Donc, c'était le deuxième point. Le chef de l'État a dit, plus personne ne va exercer dans ce métier, dans ce secteur, quand il n'est pas professionnel. Alors, des cabinets ont été fermés à Cotonou, à Port-Tombo, à Parakou et ailleurs. Et vous avez vu qu'il y a eu un balayage dans le secteur. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, la mortalité a diminué chez les femmes et chez les enfants. Ça, c'est la deuxième prouesse. La troisième prouesse, les médicaments. Parce qu'il n'y a pas médecine sans médicaments. Dans tous les secteurs de médecine, il y a les médicaments. Avant, la bonne dame qui ne connaît même pas le rôle du paracétamol vend toutes les catégories de paracétamol, d'aspirine et autres. Le gouvernement a fini par s'imposer à tout le monde. Quand tu n'es pas professionnel, quand tu n'es pas pharmacien, tu ne peux pas toucher aux médicaments, tu ne peux pas vendre les médicaments, tu ne peux plus. Des gens, c'est vrai qu'ils continuent à vendre en clandestinité, mais toujours ils craignent l'intervention de la police ou de la gendarmerie. Et nous-mêmes, professionnels de la santé, lorsque c'est un médicament qui doit être prescrit par un psychiatre, un médecin général ne peut pas prescrire, le pharmacien ne servira pas. Donc, rien que par rapport à ces trois points, on peut dire qu'il y a une grande révolution dans notre secteur. C'est vrai que nous, syndicalistes, on n'est jamais totalement satisfaits. Et il reste beaucoup de choses à faire, mais nous pensons que le gouvernement nous a agréablement surpris, tel que je l'ai dit. On n'avait pas cru à la chose avant. Très bien. Vous êtes professionnel de la santé. Vous êtes un non-professionnel, mais dans le secteur de la santé, qu'est-ce qui vous a marqué, surtout quand vous regardez ce qui était prévu ou ce qui avait été promis dans le programme d'action du gouvernement, et trois ans après, quel résultat vous constatez? Merci. Moi, c'est un vécu. Je parle de ce que je vois. Une dame m'a dit, à ton fond, « Ah, honorable, les enfants ne souffrent plus de manque de sang. Nous sommes ouidovillédiens. Parce que les médicaments que nous achetons maintenant sont de bons médicaments. » Elle m'a dit ça. Que c'est une bonne chose ce que le président a fait. Amassi est soudo, amassi salaliro. Ça veut dire la vente des médicaments comme de la tomate. C'est interdit et ça a porté ses fruits. On ne parle plus d'enfants en déficience de sang, des enfants maigris, des enfants souffrant, que ça a diminué considérablement. Et moi, j'ai retenu quelque chose. Aujourd'hui, maintenant, on s'attaque moins aux sorciers, non? Vous n'avez pas remarqué? C'est un fait courant. On dit moins. Avant, sorcier a fait ceci, sorcier a fait ceci, sorcier. Depuis un certain temps, on n'en parle plus. On ne voit plus de grandes personnes, des vieux, traités de sorcier, de cela. Parce qu'il n'y a plus de morts subies, des trucs comme ça. C'est des réalités. Et ça veut dire que... qui contribue? Merci. Les réformes ont porté. Je t'en prie. Les réformes ont porté. C'est pourquoi j'ai dit, c'est le vécu quotidien qui va nous démontrer qu'au niveau gouvernemental, on fait quelque chose. Je ne suis pas du gouvernement, mais j'observe en tant qu'acteur, en tant que Béninois.
Ah, on a fait ci, on a fait. Mais pourquoi on ne parle plus de ça? Ça veut dire qu'il n'y a plus de morts subites, de morts courantes observées auparavant. Parce que les gens sont aujourd'hui bien traités, il l'a dit. Le médecin l'a dit, le spécialiste de santé l'a dit, et c'est une réalité. Ça a diminué. Parce que à la pharmacie, on a de bons médicaments. Le président est allé jusqu'à crier sur la tribune au niveau de à Genève pour dénoncer les médicaments douteux qu'on nous vend en Afrique. Donc il a tiré l'attention sur des fabricants de médicaments là-dessus pour dire servez-nous de bons médicaments. Parce qu'il a fustigé leur manière aussi. Il faut qu'à la pharmacie qu'on trouve de bons médicaments. Je crois que vous n'êtes pas sans savoir que des pharmaciens ont été enfermés pour ça. Donc ça veut dire que les mêmes acteurs du secteur nous tuent consciemment. Ils savent. On va acheter des médicaments comme de la tomate. Dans quel pays vous avez vu ça? Maintenant, quand on a cessé tout ça, je crois qu'il y a amélioration du point de vue sanitaire. Il y a amélioration, on voit, ça se lit. On ne parle plus de le sorcier a attaqué mon enfant, a fait ceci, ceci. Non, ça s'améliore. Et la conscience même professionnelle au boulot. Je crois que les réformes introduites portent, ça porte, et les Béninois deviennent de mieux en mieux conscients de leur travail. Dans tous les secteurs, allez-y voir, il y a une nette amélioration. Les gens travaillent parce que le gouvernement les a mis au travail. Donc, le PAG, tout ça là, ça vient du PAG, ça vient des réformes. Mais quand on parle de... C'est un programme. Quand on parle du secteur, quand on parle du secteur de la santé, il y a quelque chose qui... certaines personnes regrettent le fait qu'on ait dénié donc, aux acteurs de la santé d'aller en grève. Oh là là. Et c'est vous? Oui. Député. Nous pouvons l'expliquer. Oui. J'en suis fier de porter ces événements. Vous savez, pour expliquer ce que nous avons fait à la 7e législature au Parlement, quand on me demande, je vais sur les points qui achoppent la loi travail, les suppressions de grève. J'aime expliquer ça. Parce que c'est là où on nous traite de tout. C'est là où on dit qu'on a mal fait. Donc, nous devons expliquer ça aux populations pour dire non. Vous ne nous avez pas envoyé au Parlement pour être maltraités. Ce qu'on a fait, comment vous voyez ça aujourd'hui? Comment vous l'appréciez? Vous croyez que celui qui fait grève aussi a envie de faire grève? J'ai été syndicaliste pendant 3 ans. J'ai été le secrétaire général du syndicat des travailleurs de l'administration des douanes pendant 3 ans. J'ai organisé grève dans ce pays contre le président Yahi en 2008. Je connais la valeur d'un syndicat. Le syndicaliste, je sais ce que c'est. Quand le syndicat outrepasse ses prérogatives dans une nation, vous savez ce que allait devenir la République. C'est dangereux. Si bien que on est obligé de mettre les choses à leur place. Nous avons pris en son temps notre responsabilité pour mettre les choses à leur place. Et je crois que vous avez les résultats. Attendez, quel syndicaliste travaille et n'a pas son salaire? Quel travailleur de sergent permanent de l'État général qui travaille aujourd'hui, qui n'a pas son salaire, aussi maigre que soit, ben c'est tout le monde. Je ne dis pas que tout est reluisant et tout va pour bien, mais au moins, ce pays ne va pas si mal parce qu'on a supprimé les droits de grève. Ça gêne qui? Ça a gêné qui? Le secteur ne se porte-t-il pas mieux? Vous n'avez pas apprécié? Je crois que les Béninois ont le temps d'apprécier. Apportez votre micro aux Béninois, ils vont vous parler. Très bien.
Alors, Fred Poinou, on en vient à vous. Ces différentes réformes, je parlerai en tout cas du programme établi dans le PAGE, en ce qui concerne les secteurs. Je prends par exemple le secteur, à part la santé, on en a parlé, le secteur des transports, des infrastructures. Alors, comme vous observez, vous, en tant que citoyen, membre de parti, d'homme béninois, quand vous observez ce qui est fait par rapport à ce secteur, qu'est-ce que vous pouvez dire? Qu'est-ce qui vous réjouit en tant que, d'abord en tant que béninois? Écoutez, je n'ai pas la même lecture que mes vis-à-vis. Le programme d'action du gouvernement est un document de gouvernance. Le gouvernement l'a structuré en trois piliers. Et donc nous ne pourrons aborder le regard, le bilan, qu'en ayant un regard beaucoup plus, une acuité particulière sur les trois piliers. Mm-hmm. Vous avez parlé tout à l'heure des réformes dans le secteur de la santé. Je crois que c'est ce qu'on pourrait mettre dans le pilier 3, l'amélioration des conditions de vie de nos populations. Je voudrais dire une chose. Voyez-vous, chacun des deux intervenants ont parlé de leur vécu. Moi aussi, j'ai un vécu dans le domaine. C'est que moi, j'ai encore des enfants qui sont au bas âge et qui doivent se faire régulièrement vacciner. Mais à plusieurs reprises, nous sommes allés dans des centres de vaccination et il manquait de vaccins. Les vaccins pour des enfants n'existaient pas. Pourtant, c'est des vaccins qui sont nécessaires. Ça n'est pas oublié, ça a conduit du retard d'approvisionnement. En tout cas, il n'y en avait pas, et sur un mois, sur deux mois, sur trois mois. Il lui fallut que je sorte moi-même l'argent de ma poche pour aller m'approvisionner afin de revenir pour que les injections soient faites. Et beaucoup de Béninois ont été victimes de ça. C'est pour dire, une chose est de faire des réformes, parce que l'intention qui sous-tend les réformes, elle est bonne. On a dit, c'est le pilier de l'amélioration des conditions de vie de nos populations. Mais encore faudrait-il qu'il y ait un suivi rigoureux dans les réformes qui sont mises en place, de manière à ce que on n'en arrive pas à des situations comme ça, puisque chacun de nous a un vécu par rapport à cela. Ça, c'est pour le secteur de la santé. L'autre chose aussi que je voudrais dire sur la santé, d'où est-ce que nous sommes partis? La question des faux médicaments, par exemple, c'était, malheureusement, c'est devenu une habitude liée à l'extrême pauvreté de nos populations. Certes, aujourd'hui, il n'y a plus la distribution de faux médicaments, ou c'est combattu, mais combien pensez-vous qu'ils se tournent vers les pharmacies aujourd'hui? Parce que pour qu'ils se tournent vers les pharmacies, il faille entre-temps que leurs conditions de vie ou que leur pouvoir d'achat leur permette d'aller dans nos officines. Est-ce qu'il y a un suivi, par exemple, au niveau des prix des médicaments réguliers au niveau de nos officines? Est-ce qu'il y a ce travail de l'exécutif vis-à-vis des promoteurs de pharmacie, de manière à ce qu'un certain nombre de médicaments soient vendus sous nom générique, mais avec des coûts réduits, pour permettre à nos populations d'avoir accès? Parce que, oui, combattre les faux médicaments, c'est une bonne chose. Combattre, comme on appelle la politique d'avoir ces fessus de chaise, est une bonne chose. Je ne dénie pas la démarche des réformes, mais le suivi. Et aujourd'hui, est-ce qu'on a quantifié pour voir combien de Béninois ont accès réellement à ces médicaments aujourd'hui? Parce que c'est ça la réalité. Ça, c'est pour ce secteur. Ensuite, vous parlez, par exemple, et l'honorable a dit, on a parlé de la réduction ou de la quasi-suppression du droit de grève. Je voudrais dire à l'honorable, nécessité ne fait pas forcément loi. Non, pas du tout. C'est vrai. Il y avait un abus du droit de grève, que ce soit dans le secteur de la santé comme de l'éducation, ou si par exemple dans l'éducation, une année académique de 9 mois, nous avons 6 mois de grève. Je trouve que c'est un crime contre l'humanité.
Mais à qui la faute? Les syndicalistes qui font feu de tout bois et en même temps aux gouvernants qui laissent souvent traîner les problèmes, qui ne veulent pas les régler à temps ou ne veulent pas les régler par le dialogue. Mais nous devons savoir... Mais là, nous sommes dans un secteur sensible, oui. La santé. Attendons, attendons. Il y a eu, c'est vrai, l'abus au niveau des grèves, de manière à ce que parfois les gens allaient en grève pendant que les malades, nos compatriotes, mouraient dans les couloirs de nos hôpitaux. C'est un fait. Mais de là à aller carrément arracher le droit de grève, ça pose un problème. Parce que le droit de grève fait partie des libertés collectives ou des libertés individuelles. Et lesquelles libertés collectives ou individuelles ne peuvent pas toujours être réglées par le législateur. Et ça doit être réglé. Il y a un problème. Non, les libertés individuelles et les libertés collectives font partie de ce qu'on peut appeler les libertés naturelles. À ne pas confondre avec les libertés publiques qui sont réglementées par les textes législatifs. Mais nous l'avons fait. Et c'est pourquoi j'ai de la peine. La peine que j'ai, parce que dans le premier axe du PAG, qu'est-ce qu'on nous a dit? On a dit consolider les bases de la démocratie, l'état de droit et la bonne gouvernance. Il a fallu que le gouvernement rédigeât un document explicite sur ce qu'on entend par la consolidation des bases de la démocratie. Parce que c'est à l'aune de cela qu'on peut, qu'aujourd'hui nous pouvons lui opposer des choses. Parce qu'on ne s'est pas entendu sur l'essentiel. Mais puisque vous, Fred Conon, est-ce que vous pensez Conon, que... Avant de poursuivre, puisque vous parliez du droit de greffe qui a été retiré, par exemple, aux agents du secteur de la santé, qu'est-ce que devrait faire, puisque vous n'approuvez pas, qu'est-ce que devrait faire alors le gouvernement? Non. Ou du moins le législateur. J'ai dit une chose. J'ai dit que nécessité... Parce que vous avez dit que vous êtes dans des propositions alternatives. J'ai dit que nécessité ne faisait pas forcément loi. La solution extrême, nous sommes allés directement vers la solution extrême, alors qu'il lui fallut des solutions intermédiaires. Avant d'y aller. Avant d'aller à ce niveau. Les solutions intermédiaires. Parce qu'il y a quelque chose, est-ce que vous pensez que la consolidation des bases démocratiques et de l'état de droit rime avec la suppression du droit de grève? C'est ça la question. C'est ce que le PAG dit dans le premier axe. Donc on ne pouvait pas aller directement vers la suppression du droit de grève. Ce que nous rejetons, c'est le fait qu'on n'ait pas dialogué. Vous nous donnez la possibilité de nous prononcer sur le PAG 3 ans après. Il eût fallu suffisamment de dialogue pour trouver des solutions intermédiaires avant d'aller à ce niveau. On pouvait réduire. Mais regardez, nous sommes allés jusqu'à la... Et l'honorable l'a dit, il parle de la loi sur le travail, la loi sur l'embauche. Mais nous ne pouvons pas précariser l'emploi dans notre pays. Pourtant, il y a beaucoup de lois qui ont été prises qui tendent à précariser l'emploi. On va y revenir, parce que là, on va permettre tout de même... Vous permettez, on va permettre tout de même... De revenir très rapidement avant qu'on ne fasse ça. Moi, j'ai impatienté. Parce que j'ai été interpellé par les deux. J'ai bien envie de vous dire parce que nous avons plusieurs points à aborder. Il faut recadrer le débat. Parce que nous sommes en train de parler du PAG. C'est tellement dense. Quand vous prenez seulement un sous-embranchement de la chose, je crois que, et vous collez à ça, vous risquez de ne pas impacter convenablement les téléspectateurs qui nous suivent. On y arrivera. On y arrivera. Sinon, on y arrivera. Vous voyez, le président disait en ce moment-là, il faut attendre encore combien de morts pour réagir. C'est ce qui a été dit. Il faut attendre encore combien de morts pour réagir. Les syndicalistes ont même apprécié la grève sauvage. Ils l'ont dit en son temps. Allez chercher la bande. Ça veut dire que... C'est pourquoi il dit, nous députés, nous avons réagi promptement et bien dans le temps là.
peut revenir là-dessus aujourd'hui. C'est une loi. Mais la loi l'a prise. Est-ce qu'on a violé un test de la République? Non, que je sache. Donc ça veut dire que nous avions fait ce qu'on devait faire pour mettre frein à l'hécatombe. Donc je crois que c'était apprécié dans le temps. Et ça, ça apprécie encore aujourd'hui. Il n'y avait pas hécatombe. Mais il y avait des morts. Il faut qu'on mette de morts pour dire que nous n'allons pas. Nous n'allons pas. Vous n'allez pas éviter aussi que vous réagissez. Oui. L'honorable a évoqué quelque chose. S'il vous plaît, nous allons vous permettre de réagir. Au moins 30 secondes. 30 secondes et nous allons aborder d'autres secteurs. Oui, mais c'est comme si vous m'étiez défavorisé par rapport à deux questions qui sont liées à mon secteur. D'abord, c'est à monsieur, mon frère, parce qu'il a parlé des vaccinations. Et c'est l'un des médicaments les plus sensibles de notre secteur. Mmh. Et là, moi, je défie quiconque. On ne peut plus parler aujourd'hui de pénurie de vaccins au Bénin pendant plus de deux semaines. Si c'était le cas, je le redemande d'avoir affaire à des secteurs bien connus de la chose. Donc là, d'ici là, je vais lui dire comment faire prochainement. Il y a des choses qu'on ne dit pas sur le plateau. Mais c'est des médicaments bien organisés, disponibles. L'État fait un petit effort pour ça là. Parce que les enfants, c'est leur protection. Maintenant, par rapport, c'est un sujet qui est devenu tabou pour nous. Vous savez pourquoi? C'est comme si, nous syndicalistes, quand on revient sur ça, c'est comme si nous protestions contre l'Assemblée nationale et la décision de la Cour constitutionnelle. Moi, je l'ai dit plusieurs fois sur les chaînes de télévision. Ce n'était pas de gaieté de cœur que nous avions accepté la chose. Mais la loi est dure, mais elle s'impose à tous. On l'avait dit. C'était un coup de massue qu'on avait reçu quand l'Assemblée nationale a décidé de nous retirer le droit de grève en votant cette loi. Mais nous avions été accompagnés une première fois par la Cour constitutionnelle qui a dit que ce n'est pas conforme. Mais une Cour est revenue dire que c'est conforme à la loi. Nous, on est des citoyens honnêtes et démocrates. Donc pour nous, ce sujet est rangé. Mais je dis aux politiques que ce débat-là est plutôt politique que professionnel. Si un jour, une Assemblée nationale, un Parlement décide de revenir sur le sujet, en donnant bien sûr des garanties pour que l'hécatombe, comme le dit l'honorable, ne vienne pas, on n'a jamais vécu encore l'hécatombe parce qu'on a toujours fait les grèves avec service minimum. Si un jour les politiques décident de régler le problème à nouveau, nous on est là. Peut-être nous on serait déjà, l'imagination serait déjà partie pour la retraite. Oui. Mais il le faut parce que c'est des débats très importants que les politiques peuvent toujours revenir sur ça. Monsieur, qui parle du secteur de la santé parle de l'enseignement professionnel et tout ça. Et quel regard portez-vous sur les 3 ans, ce qui est promis dans le PAG, l'exécution 3 ans après? Bon, moi j'ai pas été invité comme politique sur le plateau. Donc mon frère a dit tout à l'heure qu'il a encore des enfants de bas âge. Je n'en manque pas aussi. Mon dernier tourne encore autour du 6e, de la classe du 6e. J'ai remarqué qu'à l'arrivée du président du gouvernement de son excellent Patrice Talon, il y a eu beaucoup de remous dans le secteur. Mais aujourd'hui, je suis en train de comprendre également que voilà un secteur où il fallait la rigueur. Vous voyez, rien que par la tenue des enfants. Je donne cet exemple aussi banal. Oui. Que le ministre, entre-temps, avait voulu régler et pour qui il a fait encore du bémol. Vous savez combien la tenue pour les enfants coûte pour certains parents? Quand nous qui avions l'ambition d'amener nos enfants dans les classes IP, dans les écoles IP, tu payes cher pour la contribution et tu payes cher pour la tenue. Rien que pour cet exemple-là. Le gouvernement actuel a voulu uniformiser les choses. Ce n'est pas encore ça. Autrement dit, l'enseignement professionnel et l'enseignement tout court a eu beaucoup d'évolution sous la rupture. Mais ce que je déplore dans ce secteur, c'est que le gouvernement doit avoir une vue générale et pour le secteur privé, c'est-à-dire les écoles privées, et pour l'enseignement public. Ce qui est en train d'arriver un peu. Il reste beaucoup de choses à faire dans ce secteur. Mais vous devez constater également que la grève, comme chez nous, a été canalisée un peu. Et heureusement pour les enfants. Mais là, au moins, on leur a dit, eux, là, vous avez quelques heures, quelques jours de grève encore. Je ne sais pas si un jour on va les supprimer ça. Ils sont plus heureux que nous. Quoi. Je pense comme ça. Bon, vous y allez. On ira
Vous allez permettre à ce qu'on voudrait quand même rappeler à nos téléspectateurs qui peuvent appeler à partir de 22h pour poser leurs préoccupations à nos invités. Donc, nous reviendrons sur les préoccupations avec nos invités sur le plateau. On va revenir un peu avant de poursuivre. On va revenir sur ce secteur qu'évoquait Théodule Moussa, les infrastructures. Parce que, alors, dans le quotidien des Béninois, les infrastructures, qu'est-ce qui est observé? Ce qui avait été prévu dans le programme d'action du gouvernement, c'est bien la modernisation des infrastructures de transport, de logistique par exemple, et de commerce. Qu'est-ce que vous constatez, vous, en tant qu'acteur politique? De l'opposition, bien évidemment. Nous avons vu un gouvernement exécuter son programme d'action, et de notre position, nous avons un regard sur chaque action que le gouvernement pose. Regard que nous portons à l'aune du propre du document du gouvernement. On est d'accord. Mm-hmm. Puisque ce n'est qu'à l'aune de ce document qu'il faut juger ce que le gouvernement est en train d'être fait. Et je dis que la difficulté que nous avons, c'est parce qu'il y a un certain nombre de terminologies qui n'ont pas été clarifiées. De toutes les manières, on ne nous a pas dit voilà ce que nous entendons par ceci. Cela, il va donc de soi que nous puissions formuler nous-mêmes notre propre compréhension des choses, et que c'est à l'aune de ça qu'il faut analyser. Par rapport aux infrastructures, par exemple, le gouvernement prévoit 1300 km, par exemple. Par rapport aux infrastructures, nous avons constaté le démarrage de l'asphaltage, n'est-ce pas? Mais retenez que tous les gouvernements qui se sont succédés se sont investis abondamment dans la construction d'infrastructures. C'est un fait. On appelle ça les infrastructures de développement. Mais, dites-moi, le développement repose sur l'économie. Et l'économie, ce n'est pas l'engrangement des impôts ou des taxes pour construire des routes, des écoles ou des maternités. L'économie, c'est la production. Les infrastructures que nous avons, nous voulons utiliser pour développer quelle économie? Vous savez, je suis surpris que nous prenions les choses thème par thème. Il ne s'agit pas de voir les réalisations du gouvernement au pif. Non. Le gouvernement travaille, ça c'est clair. Personne ne dénie au gouvernement le travail qu'il fait. Mais comment est-ce que tout ça s'agence? Ce que vous appelez infrastructure routière, infrastructure de base, infrastructure socio-communautaire, ça fait partie de l'amélioration des conditions de nos populations. Mais qu'est-ce qu'on veut construire dessus? L'économie repose sur la production. Et vous avez parlé tout à l'heure de l'enseignement professionnel. Comment est-ce que nous sommes en train de professionnaliser notre enseignement? Puisque j'ai noté que au niveau du PAG, l'éducation fait partie de l'axe du renforcement de l'économie, de la construction d'une économie structurelle. Comment est-ce que ces infrastructures que nous sommes en train de construire, comment est-ce que nous l'intégrons dans le développement économique de notre pays? C'est de cela dont il s'agit. Sinon, demain, les Béninois diront ce qu'ils ont toujours dit après chaque quinquennat, ce n'est pas les routes que nous allons manger, ce n'est pas les infrastructures que nous allons manger. Quand on n'arrive pas à agencer tout ça, si vous voulez que j'applaudisse parce qu'il y a eu des routes, il y a eu toujours des kilomètres de routes depuis notre indépendance. Mais chaque gouvernement le fait. Autant d'envergure, autant de... Ce n'est pas... assez de routes, de travaux lancés, parce qu'il y a... L'asphaltage, par exemple, c'est plusieurs phases. Ce n'est pas l'envergure... Quand le gouvernement aura fini, on pourra faire la comparaison pour voir, parmi tous les gouvernements successifs de l'ère du renouveau démocratique, on pourra constater que c'est le gouvernement du nouveau départ qui a construit beaucoup plus de kilomètres de routes dans notre pays. Ça, c'est un fait. Ça, on peut applaudir. Et je crois qu'on est dans la dynamique d'applaudissements là. Mais en amont, à quoi ont servi tous ces kilomètres de route? C'est ça la question. Qu'est-ce que nous avons passé sur ces routes? Comment est-ce que ça a pu impacter chacun de nos compatriotes? C'est de cela dont il s'agit. À quoi servent les infrastructures routières, par exemple? Les infrastructures routières à quoi sont censées servir à faire circuler, à faire transporter ce que nous produisons. C'est ça en réalité, c'est ça la réalité. Sinon, à quoi ça sert? Vous parlez d'infrastructure. Notez que j'ai noté avec satisfaction qu'on a
démarrer la construction de nouveaux marchés tels que promis dans le programme d'action du gouvernement et la réhabilitation des anciens marchés. Mais avant, il y a d'abord eu, par exemple, ces marchés qui sont censés recevoir les petits gens, les béninois de conditions modestes qui étaient éparpillés un peu partout sur nos voies. C'est regrettable, mais on les a déguépillés, alors que ces marchés n'existaient pas encore. Je pose la question. Depuis... Malheureusement, vous ne posez pas de questions ici, non. Vous répondez à nos questions. Je nous pose à nous tous. Depuis 3 ans, quand il n'y a pas eu des solutions d'accompagnement, des solutions palliatives, il eut fallu lancer la construction de ces marchés et dire ensuite à ces Béninois, dégagez et rentrez dans les marchés pour faire votre commerce, pour faire vos activités, pour booster l'économie. Alors, quand on ne l'a pas fait plus tôt, pendant 3 ans, quelle a été la contribution de ces Béninois à l'économie, à l'éclosion de l'économie nationale? C'est ça la question. Parce que vous ne pourrez pas contribuer à l'économie quand vous êtes chez vous, quand vous ne faites rien. Et ça rejoint aussi, parce que je prends au mot l'honorable qui a dit au début, tout ça, c'est la réduction de la pauvreté parce que les Béninois sont pauvres. Si nous sommes dans le cadre de la réduction de la pauvreté, toutes nos actions en amont ou en aval doivent concourir à la réduction de cette pauvreté. Donc on ne peut pas vouloir une chose et son contraire. Il ne s'agit pas, pour moi, formation d'opposition constructive, d'applaudir le lancement des travaux, la réalisation des travaux et la construction du nombre de kilomètres que le gouvernement fait. Non, ce n'est pas mon rôle. Je laisse ce rôle à ceux qui sont au niveau du gouvernement. Moi, je me félicite de ce que ces travaux apportent un plus, comme l'a dit l'honorable, dans le cadre de la réduction de la pauvreté. Je ne sais pas si on se comprend. C'est pourquoi je dis, pour faire une analyse objective du PAG, il faut l'analyser selon la structuration que le gouvernement lui-même a présentée, en 3 axes. Quels sont les travaux ou les actions que le gouvernement a posées selon chaque acte qui viennent confirmer ce que le gouvernement a dit en amont? Vous avez parlé, par exemple, tout à l'heure, on en parlait du secteur de l'éducation. On en parlait du secteur de la santé. Nous sommes en train de parler du secteur des transports et des infrastructures routières. D'accord. Mais à quoi nous attachons tout ça? Tout ça vise quoi? C'est ça la question, mon cher. Vous pouvez faire votre analyse, mais bon, nous vous proposons d'analyser tout ça selon les secteurs, voilà. Bien évidemment. Bon, merci, ça me fait réagir. On est dans le secteur des... Secteur infrastructure. Tout à fait. Vous savez, en 1928, aux États-Unis, il y a eu la crise économique. Vous savez comment le président Roosevelt a réglé la crise? On a pu résorber ça en inventant un nouveau système. Et en ce moment, beaucoup ont voulu traiter les Américains même d'avoir changé d'option. On appelle ça le New Deal. Il y a eu le New Deal. Il a lancé de grands travaux. C'est ce qui se fait aujourd'hui au Bénin. Vous dites que chaque Bénois, pour vivre mieux, a besoin d'argent. Nous sommes pauvres. On doit pouvoir mettre le peuple béninois au travail. Puis si on dit, nous avons besoin d'argent, pour avoir de l'argent, qu'il faut faire? Il faut travailler. Il faut vous mettre au travail. N'est-ce pas? Mais sans le travail, vous aurez de l'argent. J'ai une masse d'argent. Et je veux que ces messieurs soient moins pauvres. Je veux éjecter l'argent là. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Il faut les mettre au travail. En les mettant au travail, dans des infrastructures, parce que nous en avons besoin. On sait qu'on a besoin de ces infrastructures-là. Sinon, M. Okunu demande si réellement la construction de ces routes apporte quelque chose à l'économie. Mais est-ce qu'on peut aller directement à l'économie? Quel genre d'économie vous voulez? Nous avons besoin de routes, parce que nous avons des productions qui périssent dans les champs. Il faut que ces cultivateurs-là apportent leurs produits dans les grands centres
pour vendre. Quand on faisait, quand on construisait la route Cotonou-Boïcon, moi je quitte Cotonou pour aller à Tofo chez moi, je fais 4 heures de temps. Aujourd'hui tu fais 1 heure de temps, tu y allais. Ce n'est pas mieux. Tu viens prendre les bananes, des tonnes de bananes qui quittent Tofo pour Cotonou. Ça emprunte des routes, non? Ce n'est pas l'économie, ça. Quand on aura construit ces routes, les déplacements plus aisés, les cars qui transportent d'ici des gens de Cotonou pour Naitengou aller régler des problèmes économiques, celui qui quitte ici pour aller à Malanville, c'est pour régler des problèmes économiques, que je sache. Il faut qu'il emprunte des voies. Il faut moderniser les. Il faut des infrastructures. Donc je crois que tout ça là concourt à résorber le chômage. Le chômage des jeunes. Pour construire ces routes, on a besoin du maçon, du menuisier, du ferrailleur, même la vendeuse de gâteaux. Elle va vendre. Le tailleur dans le quartier. Parce que celui qui fait de la ferraille, qui travaille pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, dans ses travaux, il aura besoin de coudre, de confectionner un pantalon. Le tailleur ne va-t-il pas trouver? Donc c'est comme ça, on met tout le monde au travail. C'est si facile en matière économique. Donc, et quand on aura construit ces routes, ça va faire développer d'autres activités qui vont mobiliser encore des jeunes qu'on mettrait au travail. Donc je crois que rien n'est utile dans la chaîne économique. Donc ne dites plus jamais que nous n'allons pas manger la route. Je me rappelle de mon oncle qui disait à son jeune frère, mais Vincent, toi là tu construis étage et moi je vais mourir de faim. Je n'ai pas besoin de construire étage que moi, donne-moi de l'argent, je veux manger. Oui, d'accord, vous allez manger. Mais nous n'allons pas prendre tout l'argent du pays et manger et ne pas aller à l'essentiel. Je crois que en travaillant, nous pouvons manger encore. C'est si simple. Vous voyez ce que je dis. C'est dans ce pays. C'est dans ce pays. Je vais vous parler un peu. Quand on parle de... C'est le ministère du cadre de vie. Vous n'êtes pas sans savoir que dans le PAG, on a mis 2 ans pour freiner l'avancée de la dégradation côtière, l'avancée de la mer. C'est fait aujourd'hui, c'est devenu une réalité. Sans tambour ni trompette. Vous êtes d'accord avec moi? Nous savons que sous l'ancien régime, on a été lancé cette affaire-là à plusieurs reprises. Et chaque jour, la mer vient royer. Aujourd'hui, c'est arrêté. C'est une prouesse, c'est des milliards dépensés. Mais on oublie déjà, hein? Nous sommes tellement amnésiques. Vous savez que dans ce pays, on est allé lancer le pont de Womé à 3 reprises. Le président Talon est arrivé, il est resté dans 4 murs. C'est fait en 2 ans. C'est une réalité. Attends. Je vous parle. Vous savez que vous avez souffert d'électricité, manque d'électricité dans ce pays pendant 10 ans. Aujourd'hui, on ira. Très bien. C'est les infrastructures, ce secteur, elles sont fait attaquer. Je ne suis pas du gouvernement. Nous sommes députés, nous accompagnons ce régime. Il s'agit pas. Quand j'accompagne, je dois apprécier à justice ce que je fais. Et si je fais mauvais, le peuple est là pour juger. Très bien, vous l'avez apprécié. On va permettre à Théophile Dossou. Nous allons permettre à Théophile Dossou de réagir. Oui. Pendant ce temps, on signale qu'il y a déjà un téléspectateur en ligne. Je peux aller. Oui, Dossou. Non, je m'attendais à ce que le débat soit houleux entre Frère et l'honorable. Le débat est purement politique. Au fait, il y a une éminente personnalité qui a dit dans ce pays qu'on ne va pas manger le pari. Moi, je suis d'un coin assez reculé, je suis d'Abomey. Et il y a des points où, lorsque le paysan produit son maïs ou l'arachide, pour les amener vers les villes, vers Boïcon, Cotonou, c'est tout un calvaire. Donc, tout gouvernement qui fait l'option de faire des infrastructures est bienvenu chez moi. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est ce que moi, je constate dans la ville de Cotonou, m'a beaucoup émerveillé. Au départ, c'était timide.
Mais aujourd'hui, on constate que vraiment les chantiers évoluent et on ne peut qu'encourager le gouvernement dans ce sens. Sans vraiment être un débat politique, moi je dis franchement, c'est un point et il faut encourager le gouvernement à continuer à faire ça. Très bien. Avant de poursuivre, nous avons un téléspectateur en ligne. Bonsoir. Bonsoir, chers téléspectateurs. Vous êtes déjà en ligne. Vous pouvez vous présenter à nous. Ah, apparemment, il est parti. Vous pouvez. Bonsoir, chers téléspectateurs. Ouais, bonsoir à Étélé. Bonsoir à tous vos invités. Et je vous remercie pour ce plateau très, très achalandé. Vous appelez comment, s'il vous plaît? Oui, je m'appelle Ben Kouassi. Et c'est Tiwao qui vous appelle depuis Ouest Ogoudo. Très bien. Kouassi, depuis Ouest. Quelle est votre préoccupation, s'il vous plaît? Ma préoccupation est aller et va dans le centre du terme du jour du PHE et 3 ans après que retenir. Et c'est les différentes interventions aussi qui nous fidèrent beaucoup. Les infrastructures, qu'est-ce que ça apporte à l'économie béninoise? Mais nos Béninois, nous savons déjà qu'il y a sur le plan de la libre circulation des biens des personnes sur le territoire béninois, ce n'est même pas encore achevé, c'est une réalité. L'électricité, avec Marie-Agrétha 2, on n'assiste plus à des coupures intempestives, c'est déjà une réalité. Et on a aussi le volet de nos hôpitaux, qui sont en train d'être équipés. On en a disponibilité des agents qui ne sont plus appelés à aller pour des grèves anthropophages qui tuent. Nos hôpitaux étaient transformés en des cimetières. Mais si déjà en 3 ans, il y a une amélioration dans ce secteur, le peuple ne peut qu'applaudir. On ne peut qu'encourager ces réformes. Mais la rupture n'est pas un passage anodin et insignifiant pour le Bénin. Mais la rupture, si ça n'avait pas existé, il fallait l'inventer. Dieu l'a programmé pour sauver le Bénin. Dieu a programmé cette rupture pour sortir le Bénin de improvisations, d'une politique rétrograde, d'une politique qui termine l'image de l'intelligentsia de notre pays. C'est-à-dire, si on demande si les cadres existent, nous sommes au quartier latin de l'Afrique. Le Bénin n'est pas n'importe quel pays, n'importe quelle nation, mais très bien. Quoi est-ce Kouassi? Que notre tête, notre intellect jugé, et ça sert à quoi? On ne le sait pas. Je vais vous demander quelques secondes et demander à vos invités de nous demander, de demander aux députés de revoir encore la constitution pour qu'on impose un programme d'action à l'opposition qui perd de temps au développement. Ben, on marche inutilement. Et on a aussi des capacités de mobilisation de ressources à l'extérieur qu'on nous envoie aussi des investisseurs au lieu de demander qu'on ferme la frontière pour punir. C'est le peuple qui souffre. Il faut qu'on change. Il faut qu'on s'émancipe. Voilà. C'est une plus-value intellectuelle à notre pays. Et je vous remercie. Merci à vous, Kouassi, qui nous appelait depuis USA. Il n'avait pas de questions à poser, ou du moins une question subtile. Est-ce que le Parlement ne devrait pas arriver à imposer donc un programme d'action pour l'opposition? En tout cas, il y a un député par ici qui pourrait revenir sur la question. Mais nous allons laisser M. Dosso téléphone. Oui, donc je. Très rapidement, avant de prendre l'autre téléphone. Non, l'auditeur n'a fait que accompagner ce qui a dit ici. Au fait, au plan social, c'est pas bien de penser que les infrastructures ne vont pas. En tout cas, pour le moment, n'apporte rien. C'est-à-dire, il y a des endroits où, sans ça, les gens ne peuvent même pas circuler. Quelqu'un a dit que le pont de Rome a été lancé plusieurs fois. Mais ce que la population sent aujourd'hui comme joie, si vous habitez ces zones, vous allez vraiment constater que c'est la joie chez les gens. Donc, il faut vraiment les infrastructures. Ce que je ne constate pas encore, c'est la construction des écoles, les écoles publiques. Il faut que le gouvernement fasse un effort pour que de ce côté-là, parce que nous, on a étudié au village, mais on avait des écoles bien construites en ce moment. Aujourd'hui, on trouve des écoles à Cotonou
Et ça n'est pas vraiment un bon aspect. Donc, par rapport à ça, il y a les routes, effectivement. Mais là où les enfants doivent aller à l'école, même si moi, mes enfants ne vont pas en public, il y a quand même des citoyens qui vont, qui envoient les enfants en public. Donc, il faut que cette politique voit beaucoup de volets à la fois. Moi, je ne suis pas professionnel, mais en tant que citoyen, c'est ce que je constate de façon terre à terre. Donc, c'est à encourager vraiment les infrastructures. Alors, nous avons certainement un téléspectateur en ligne. Si vous le permettez, nous allons le recevoir. Téléspectateur en ligne, bonsoir. Vous êtes en direct. Votre nom, vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? Depuis le Bourgogne, Kodjo Etienne. Monsieur Kodjo Etienne depuis le Bourgogne. Kodjo Etienne. Eugène. Eugène, d'accord. Monsieur Eugène Kodjo, nous vous écoutons. Oui, ce que les deux honorables sont en train de dire là, ce n'est pas là qui va nous rassasier. Oui, il faut leur dire de faire tout possible que tout le monde soit rassasié comme eux. Ce n'est pas là le problème. Oui. Vous avez fini? Nous autres, nous serons rassasiés comme. Mais qu'est-ce que vous voulez dire très concrètement? Bien. Merci, je vous remercie. Très bien. Il a posé sa question. Il voudrait bien être rassasié. Monsieur Kodjo, Eugène, depuis le Bourgo. Monsieur Fred Pouinou, voilà. Vous avez suivi un peu les réactions. Est-ce que nous avons encore un autre téléspectateur en ligne? Certainement, reviendront. Oui. Tout à fait. Bonsoir, cher téléspectateur. À qui venez, s'il vous plaît? Présentez-vous, s'il vous plaît. Allô. Vous nous appelez d'où et comment on vous appelle? Okay, on m'appelle. Nous avons du mal à vous entendre. Je crois que la ligne comme ça répond également de l'autre côté. Vous pouvez nous rappeler, hein, il faut diminuer son poste télé dès que vous nous appelez. Donc diminuer et je crois que la conversation sera plus fluide. Il y a un autre téléspectateur en ligne, bonsoir. Bonjour monsieur. Comment vous appelez-vous s'il vous plaît? Moi, je m'appelle Daniel Agosou. Très bien. Daniel Agosou, vous nous appelez d'où? Je vous appelle de Sémécodi, plus précisément à PK10. PK10, très bien. Daniel, quelle est votre préoccupation s'il vous plaît? Nous vous entendons. Quelle est votre préoccupation? Alors, je voudrais d'abord commencer par l'auditeur qui, le téléspectateur qui vient de passer, en disant qu'il veut être rassasié. S'il vous plaît, monsieur Agosou, ne réagissez par rapport à la réaction de la question. Oui. Quel est ce gouvernement, quel est ce qui est dans cet état où c'est le gouvernement qui va distribuer des billets ou bien de l'argent pour pouvoir que les gens puissent se nourrir. Je ne pense pas que c'est dans un pays sérieux qu'on fait ça. Alors, dans mes interventions, je vais d'abord m'appesantir sur le fondamental qui relève d'une nation. Est-ce que vous voyez? L'avènement de Patrice Talon nous a montré que nous pouvons rêver mieux d'un État en s'appuyant sur les fondamentaux qui relèvent d'un État. C'est-à-dire que les administrations, aujourd'hui, vous ne pouvez pas faire de n'importe quoi, comme cela se passait par le passé. C'est déjà un État citoyen sans et puisse répondre dès lors qu'il y a problème. C'est déjà quelque chose qui fait d'un État un État respectueux. Alors, ce que je veux dire aussi, c'est à propos de l'opposition. Moi, à mon avis, je pense que cette opposition se promène sans caleçon. Et quand je le dis avec beaucoup plus de responsabilité. L'opposition, est-ce qu'ils aiment vraiment notre pays?
C'est la question que moi je te pose. Je me pose cette question et je n'ai pas de réponse. Parce que lorsqu'on a dit dans ce pays que nous voulons une autre forme de gouvernance, nous voulons que l'État fasse en sorte que les citoyens bénéficient des retombées de l'État même, on ne peut pas aujourd'hui se complaire à dire que ce que Patrice Talon fait est totalement ambigu. Je m'inscris en faux dans ce que cette opposition fait. Et de plus, c'est que ces gens-là que nous avons vus hier, c'est les mêmes aujourd'hui parce qu'ils ne se retrouvent pas, crient au voleur, crient n'importe comment et veulent nous induire encore en erreur. Merci beaucoup. Merci à vous, monsieur Agosso. Agosso, depuis Semepegui, précisément à PK10. Voilà, nous retour sur ce. Bon, on va prendre quelques des téléspectateurs. Ne soyez pas gênés de constater qu'on c'est pour un temps et vous reviendrez. Il y a un autre téléspectateur en ligne. Bonsoir. Bonsoir, cher téléspectateur. Oui, bonsoir, monsieur. Comment vous appelez-vous, s'il vous plaît? Comment vous appelez-vous? C'est Marcel Agadi. Marcel nous appelle d'où? Je vous appelle depuis Cotonou. Très bien. Quelle est votre préoccupation, s'il vous plaît? Bon, ma préoccupation est la suivante. Bon, je salue d'abord préalablement tous les invités. Mais je tiens donc à aborder le secteur de l'enseignement que les députés, le syndicaliste, estimait que tout allait à merveille. Moi, je suis désolé et je regrette leur réaction sur le plateau. Si aujourd'hui, on constate que depuis qu'on a composé, depuis le début de l'année, il y a certaines classes qui n'ont pas composé le premier devoir de l'année et on estime que les réformes vont bon train dans ce secteur, j'estime qu'il faut revoir véritablement ce côté-là. Aussi, dans un secteur aussi vital que l'enseignement, comment on peut estimer qu'on peut opérer des réformes qui ne vont pas aboutir? Par exemple, par exemple, je peux énumérer quelques exemples et qui me choquent, moi. S'il vous plaît. Puisque moi aussi, j'ai été enseignant, oui. Par exemple, comment on peut opérer des réformes qui mettent des enseignants vacataires au chômage? D'accord. C'est votre question? Je n'ai pas fini, monsieur le journaliste. Très bien, allez-y. Comment on peut donc opérer des réformes qui augmentent les classes volantes dans les établissements? Monsieur Marcel Détti, qui est appelé de Cotonou, on vous a compris. Ma dernière question. Oui, votre dernière question. Sur votre plateau, oui. Qui dit, je ne sais pas si je l'ai bien entendu, qui disait que tu sais pourquoi ils ont supprimé les droits de grève dans le secteur de la santé et de l'éducation. Je vais lui demander, mais il dit que c'est bien, mais il n'en a pas expliqué pourquoi. Ce qu'il sait là, moi, je ne le maîtrise pas. Voilà. Donc, il reviendra sur l'aspect, sur cet aspect. Merci. Donc, téléspectateurs, vous pouvez toujours continuer par nous appeler. Chers téléspectateurs, bonsoir. Hello. Bonsoir. Bonsoir. Comment vous appelez-vous, s'il vous plaît? Nous vous entendons diminuer le volume de votre poste récepteur. Comment vous appelez-vous? Ça siffle par ailleurs.
ça ne favorise pas la conversation. Vous nous entendez? Je crois qu'il est... Il est toujours là. Parti. Allô? Oui, vous êtes toujours là, un peu en ligne. Allô? Oui, allô, vous êtes en direct, nous vous écoutons. Votre nom? Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, nous vous recevons, dites-nous votre nom. Oui, bonsoir, au cas Florent. Florent nous appelle d'où? Oui, au cas Florent. Florent nous appelle d'où? Oui, ce que moi j'ai retrouvé 33 ans de Patrice Talon. Ouais, c'est un président. Il a bien géré le pays. Il n'y a pas de fraude dans ce pays. Je le félicite beaucoup. Il n'y a pas de vol comme ça. Donc je le félicite. Donc de laisser Patrice Talon gérer ce pays. Avant, il y a du corruption partout, par-ci, par-là. Et quand on va à concours, là, c'est les enfants des grandes personnalités qui admettent. Donc, laissez-le partir, ça gère bien ce pays. Donc, c'est ce que moi j'ai appris. Très bien, merci Florent qui nous appelait. Nous allons revenir sur ce plateau. Il y avait M. Prenou qui avait la parole très rapidement. Vous allez pour... Je voudrais réagir suite à. Aux interventions de mes vis-à-vis, je voudrais rappeler à M. Dosho Théophile que ce débat est éminemment politique, en ce sens que nous sommes en train de parler de la gouvernance de notre pays, et nous sommes en train de parler du programme d'action du gouvernement. Et c'est bien qu'il ne soit pas acteur politique, le débat ne peut être autrement, parce que pour la politique, c'est la gestion de la cité. Et tout ce que nous sommes en train d'aborder ici relève du domaine de compétences de la gestion de la cité. Personne d'autre ne peut prendre des mesures que nous sommes en train dont nous débattons ce soir. Je voudrais demander ensuite à l'honorable, non, nous ne soyons pas triviales lorsque nous disons que, lorsque nos compatriotes disent, nous n'allons pas manger des routes, ils ne demandent pas qu'on prenne l'argent des caisses de l'État pour le distribuer. Il demande juste que... Parce que c'est la compréhension qu'un téléspectateur a... Non, si on a cette compréhension, c'est qu'on fait preuve de naïveté. Ce que nos compatriotes demandent, c'est que les conditions générales dans le pays participent de l'amélioration des conditions de vie des plus vulnérables. Parce que eux, ils sont vulnérables, nos compatriotes. Que les conditions générales dans notre pays participent de l'amélioration et du développement de la majorité sociale. C'est de ça dont il s'agit. Et cette majorité sociale ne veut pas qu'on lui donne de l'argent. Cette majorité sociale veut qu'on lui crée des conditions pour travailler. Veut qu'on lui crée des conditions pour résister. C'est pourquoi je disais tout à l'heure, je parlais des infrastructures. Les infrastructures en elles, c'est pas ça que nous redoutons. On ne fait pas le procès en tant qu'opposant constructif au gouvernement d'avoir construit, d'avoir fait construire des infrastructures. Non. C'est quel est le gain de ces infrastructures pour le Béninois lambda et pour le Bénin en général? C'est de cela dont il s'agit. Il s'agit, dans notre position, de par notre analyse, de pousser le gouvernement à justifier ses choix. Il faut que les choix soient justifiés au regard. Vous parlez par exemple de l'énergie. Mmh. Est-ce que vous avez connu le délestage encore? Où vivez le délestage, par exemple, depuis quelques mois? Nous sommes tous conscients de ce que le délestage n'existe plus pratiquement dans notre pays. Mmh. Et c'est un gain énorme. On ne dénie pas les gains. Pourvu que l'énergie qui est disponible soit disponible à moindre coût pour nos populations. C'est de cela dont il s'agit. Parce que si l'énergie est disponible et que le pays a suffisamment d'énergie, mais que les individus ne peuvent pas avoir accès à cette énergie parce que l'énergie n'est pas donnée, l'énergie n'est pas distribuée gratuitement, l'énergie a un coût. Et si en amont, on n'améliore pas les conditions de vie de nos populations et qu'on peut encore rehausser le coût de l'énergie, combien de Béninois, pensez-vous, pourraient avoir accès à cette énergie? J'apprends déjà... Il y a eu des subventions dernièrement. J'apprends déjà que, oui, les subventions... De l'État.
parce qu'il devrait y avoir une augmentation d'énergie aujourd'hui pour nos compatriotes, n'est-ce pas? Mais l'argent avec lequel on subventionne l'énergie, c'est l'argent du contribuable, n'est-ce pas? On pourrait ne pas le faire. Cet argent peut être utilisé dans d'autres domaines. Bien sûr. Est-ce que c'est pertinent? L'énergie disponible en abondance, mais pour que les foyers et les ménages les plus vulnérables puissent les avoir, parce qu'il ne s'agit pas de poser la question à l'honorable s'il a les moyens de s'offrir l'énergie. Il en a. Il ne s'agit pas de poser la question à M. Théophile Dossou s'il a les moyens. Il en a. Ni à Fred Coulon. Mais bon nombre de nos... Oh, peut-être que je fais partie de ceux qui n'ont pas. Mais bon nombre de nos compatriotes... Non. Bon nombre de nos compatriotes n'ont peut-être pas les moyens d'avoir cette énergie. C'est de cela dont il s'agit. C'est pourquoi nous, ce que nous disons, ne remettons pas en cause le péager. Nous ne remettons pas en cause les actions qui sont menées. Mais ce que nous disons, quelle est la pertinence de ces actions? En quoi est-ce que ces actions contribuent à l'édification ou à ce que le péager lui-même a appelé la transformation structurelle de l'économie béninoise? Parce que tout part de là, fondamentalement. Voyez-vous? Je ne sais pas si je me fais comprendre. Très bien, nous vous avons suivi. Puisque vous parlez de l'énergie, on va y rester. Théophile Dossou, on reviendra sur les questions des téléspectateurs qui peuvent toujours continuer par nous appeler. Théophile Dossou, quand on parle de l'énergie, pour quelqu'un qui se retrouve dans le secteur de la santé, l'énergie, c'est un, on pourrait dire, c'est important. C'est bien incontournable. C'est un peu comme l'essence pour un moteur de véhicule chez nous. Parce que tout appareil médical aujourd'hui est électrique. On a plus de trucs complémentaires ou trucs. Mais nous parlons de façon générale pour l'énergie. Je crois qu'il est parti. Oui, je suis un consommateur de l'électricité. Et je rejoins Fred Renaud sur un point où il disait il faut que ça soit disponible et moins cher. Oui, allô. Faut pas arrêter. Bonsoir, chers téléspectateurs. Oui, bonsoir. Comment vous appelez-vous, s'il vous plaît? On m'appelle Oni Tchango Yunus. Monsieur Oni Tchango. Vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? Je appelle depuis Aïdjedo. Depuis? Je salue le plateau, je salue l'honorable, je salue monsieur Renaud, je salue monsieur Théophile. Je remercie tout le plateau. Et j'ai toujours, depuis autant révolutionnaire jusqu'au temps démocratique, nous n'avons jamais été président comme président Patrick Talon. C'est un meilleur président. C'est un président audacieux. Et si je me rappelle très bien, quand il était défenseur de l'histoire de l'aéroport de Gaudité, il les a dit, je faisais partie des gens qui ont pillé ce pays. Mais Dieu m'a envoyé pour que je puisse relever ce pays, je puisse donner des lumières à ce pays. Il est en train de donner. Que Dieu le bénisse. Que Dieu l'accompagne jusqu'au bout. C'est un président. Les opposants. Et moi, ma question est que, qu'est-ce qu'il réclame aujourd'hui à la gouvernance du président Patrice Talon? Ok. Président Patrice Talon, nous voulons ce que nous voulons ça. Ce chemin, il ne faut pas emprunter ce chemin parce qu'il a ce lâche-là. Si tu améliorais ici, ça va nous donner telle lumière et telle lumière. Mais on n'entend rien. Moi, je suis contre les opposants. J'étais opposant pur. Mais vu les réformes opérées par le président Patrice Talon, vraiment, aujourd'hui, que Dieu le bénisse. Qu'il soit rempli par le flambeau de l'éternel. Merci le plateau, je n'ai rien plus que... Mais je voudrais que les opposants disent, soit ça dit, faire des réclamations, bien faire des... donner des idées constructives à présent par le plateau talent pour qu'ensemble nous puissions donner des lumières à ceux qui pétitent. Merci. Très bien. Merci à vous, Oni Tchango, qui nous appelait donc de Aïedo. Oui, Théophile Dossou. Oui, je disais que je suis un consommateur de. Je parle de la consommation domestique.
Effectivement, tel que ça se passait avant, on perdait beaucoup d'appareils électroniques, les coupures, les délestages, ça nous gâtait beaucoup de choses. Depuis un moment, il y a une nette amélioration. Mais ce que tout citoyen peut demander comme nous, c'est que la réduction, le coût de l'électricité, il faut que le président, comme il a, le gouvernement a l'idée de subventionner, il faut que nous payions moins cher l'électricité. Ça serait un grand, grand, grand service que le gouvernement aurait rendu. Il y a un autre point, ne peut pas être disponible directement à moins de coût. Pourquoi prendre encore l'argent du contribuable pour subventionner? Alors, est-ce que, en attendant de recevoir l'autre téléspectateur qui est en ligne, allô? Bonsoir, cher téléspectateur. Allô? Oui, bonsoir. Comment vous appelez-vous, s'il vous plaît? Comment vous appelez-vous? Allô? Nous vous recevons. Vous êtes déjà en ligne. Comment on vous appelle? Je crois que nous avons quelques difficultés avec le téléspectateur. Vous pouvez nous revenir. Alors, on ne pourra pas parler d'électricité sans parler d'eau potable. Aujourd'hui, honorable Arnoukou, l'État est en train de faire assez d'efforts. Nous avons constaté que de l'autre côté d'Assassa et autres, région qui est difficile d'accès, aujourd'hui, un travail de fond est en train de faire pour qu'il y ait l'eau potable 3 ans après. Merci. Vous pouvez permettre de prendre, monsieur téléspectateur. Bonsoir. Oui, bonsoir. Comment vous appelez-vous, s'il vous plaît? Oui, c'est Tétiou. C'est Tétiou. 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 C'est Tétiou. Vous vous appelez d'où, s'il vous plaît? Oui, j'appelle de Boïcan. Boïcan. Quelle est votre préoccupation? La préoccupation, c'est un grand remerciement à Patrick Talon. C'est Dieu qui l'a envoyé. C'est Dieu qui l'a envoyé. Il faut qu'il fasse son travail sans relâche. On en a besoin depuis 1960. Et à nos opposants, si on peut les voir sur les chantiers, là où ça ne marche pas, sur les chantiers de la Tracaille, où certaines entreprises ont prié, ça ne marche pas, ou donner des propositions concrètes, là, c'est bon que de parler de démocratie, du bavardage et de libertinage. Ça, c'est fini. Le Bénin est l'exemple de démocratie. Et il faut qu'on montre l'exemple que la démocratie n'est plus le bavardage. Mais on ne réclame pas que de faire et droit, mais on a le citoyen de devoir. Le citoyen de devoir, c'est ce que nous voulons que les Béninois sachent actuellement. L'autre chose par rapport au programme des aspirants, surtout ceux du primaire, pourquoi est-ce qu'on ramène un enseignant qui a le cap à 60 000 alors que c'est un diplôme de catégorie B? Ça, c'est là le paradoxe. Il faut que le gouvernement revoie ça. Sinon, c'est dangereux. L'enseignant du primaire est à la fois mathématicien. Il enseigne le français. Il fait le sport. Il ne dort pas à la maison. Il prépare des filles, fait tout. Et le ministre qui incarne le primaire pense que tout est primaire. C'est pas parce qu'on est professeur d'université qu'on peut tenir dans une classe du primaire. Il faut qu'on cesse de penser, de faire penser, de faire croire béninois que l'enseignement primaire, là, c'est des gens qui ne connaissent rien. Le PAG, le Bénin révélé aussi, doit revoir cette carte pour le bonheur de tous les béninois. Et recruter, le recrutement aussi s'impose. Merci, bonne soirée à tous les plateaux. Très bien, merci. Voilà, nous revenons sur le plateau. Bien sûr, nous étions avec l'honorable Aronoukou. De l'eau potable, assez d'efforts, après 3 ans, est-ce que vous partagez ce point de vue et quel regard portez-vous sur ce qui est fait à la date d'aujourd'hui? Merci, monsieur le journaliste. Allô? Je crois que avant d'aller à l'eau, j'aimerais parler un peu d'électricité, parce que c'est capital. Le président Patrice Talon. Économie. Peut-on parler d'économie dans un pays qui n'a pas d'électricité? Déjà avec l'électricité, je crois que le maçon, le soudeur, les commandes, le tailleur, les brodeurs, vous avez vu dans ce pays, quand vous commandez quelque chose, je ne sais pas quand je peux vous livrer, monsieur, parce que je ne sais quand j'aurai de courant. On a vécu ça. Aujourd'hui, on n'en parle plus. Ça veut dire que à partir de la disposition
disponibilité. À profusion de l'électricité, la disponibilité à profusion de laisser l'économie relancer. Ça a l'économie, aux grandes vous entreprises savez, productrices, l'électricité pour l'économie, c'est ce que le sang est pour notre corps. Ce n'est pas, M. Dessou va me démentir. C'est bien cela. Maintenant, allons à l'eau. Le président, dans le PAGS, il a été dit, en 2021, tous les Bénois auront de l'eau potable. Ça veut dire, tous les Bénois auront leur santé améliorée. Parce que beaucoup de Bénois continuent de boire encore de l'eau impure. Et c'est dangereux. Donc, vous n'êtes pas sans savoir que les gouvernements successifs ont injecté beaucoup d'argent dans l'eau. Mais on n'est jamais arrivé à bout de ce problème. Et le président Talon, la main sur le cœur, disait, en 2021, le dernier village du Bénin aura de l'eau potable. Gratuitement. Gratuitement. Ça a été dit. Ça veut dire que... Applaudissons et accompagnons. Non, je demande. On en a... Je dis... Vous ne posez pas de questions. Vous aurez le temps gratuit de... Gratuit ou payé. Attends. Gratuit ou payé. Quel est le problème? Attends. Comme on le dit en fond, je pourrais intervenir un peu. Ma langue dans cette affaire. Sommes-nous ministres? Attends, monsieur Kounou, que je te dise. Sommes-nous ministres? Comment? Le Bénin, je vais vous dire une chose, à toute l'opposition, il ne s'agit pas de cracher sur tout. Les gens sont prêts à payer l'eau, ils ne trouvent même pas. Vous savez, l'eau, c'est plus que le pétrole. Nous pouvons manquer du pétrole, de l'essence, mais on va vivre. Dites-moi, vous pouvez vivre sans l'eau. Si on vous apporte l'eau, tout ce que nous pouvons demander, c'est des mobilisations. C'est à un coup. On sait qui attendez que je vous parle. Vous aurez le temps de réagir. Ayons d'abord l'eau. Le coup, on en parlera. Le gouvernement fait beaucoup de social. Quand nous avons l'électricité, à moindre coût, si chacun des Bénois puisse payer sa facture d'électricité, c'est déjà du social. Nous connaissons le coût de l'électricité produite au Bénin. C'est nous qui avons inventé les machines. À combien ça coûte? On s'endette en important de l'électricité dans ce Bénin. Vous savez tout ce qui s'était passé sous les anciens régimes. Quand on doit des coûts d'importation électrique, et on nous coupe pour ça, aujourd'hui, si nous trouvons, c'est que le gouvernement fait quelque chose. Je ne suis pas du gouvernement. Je ne fais que appuyer ce qui est bon. Si nous avons de l'eau, il y a peu de frais. Je connais, il y a des pays où l'eau est donné gratuitement, mais ne vous leurrons pas, nous ne nous leurrons pas. Là où l'eau est donnée gratuitement, on sait où on récupère ça. C'est des régimes. Au Canada, par exemple, à Montréal, mais l'eau, ça coule à profusion. C'est gratuit. Mais vous allez me dire que c'est gratuit. Vous savez comment ils paient les impôts là-bas? Quand vous téléphonez, une minute, vous savez combien vous payez. Mais c'est de ça qu'il est question. Sinon, on peut donner par la main droite et reprendre par la main gauche. Il y a tout ça là. Donc, prions que le coup ne nous fatigue jamais. Prions que le coup soit abordable, que nous ayons tous l'eau potable. Qu'est-ce qu'il faut d'abord faire? J'ai dit, réduire la pauvreté, c'est quoi? Il y a des indicateurs de réduction de pauvreté. Vous allez dans un village, vous avez l'eau courante. Vous avez l'électricité. Vous allez me dire qu'ils sont encore pauvres. Je crois qu'ils sont, déjà revenus intermédiaires. Le Bénin profond, nous savons. On a évoqué le Bénin profond il y a 20 ans. Le Bénin profond de 20 ans, c'est encore le Bénin profond d'aujourd'hui. Non. Il y a amélioration. Sinon, on dirait que tous les chefs d'État qui se sont succédés dans ce pays n'ont rien fait. Est-ce qu'on peut dire ça? Vous allez me dire que ton papa n'a rien fait jusqu'aujourd'hui. S'il n'a rien fait. En tout cas, il m'a donné la vie. Il t'a donné la vie. Et il t'a envoyé à l'école. Donc, ça veut dire quoi? Chaque gouvernement qui arrive fera quelque chose dans l'amélioration des conditions de vie des Béninois.
C'est de ça qu'il est question. Très bien. Donc, je demanderai, comme il a dit, je sais bien, Renou, avec son parti, c'est une opposition constructive. Il doit tirer, mais il ne tire pas à boulet rouge. Je ne suis jamais d'avis avec ceux qui payent tout en rouge, en noir. C'est quand quelqu'un fait quelque chose qui apprécie, quand on tient un adversaire, un ennemi, qui se parle bien, il est bien paré, il porte son panty. Ah, tu es mon adversaire, mais quand même, ça te sied bien. Dis-moi l'audace de le dire. Patrice Talon, en avril 2016, disait que l'eau et l'énergie sont des droits inaliénables. Oui. Quand vous faites maintenant le bilan de 3 ans, de ce qui a été fait en 3 ans, que constatez-vous? Est-ce que cet engagement qu'avait formulé l'homme, est-ce qu'on se retrouve dans la dynamique ou on n'y est pas? Il serait malhonnête de ne pas reconnaître qu'il y a de la disponibilité au niveau de l'énergie et au niveau de l'eau pour nos populations, comme nous l'avons dit. Donc un travail a été fait. Mais comme je le dis, la disponibilité ne signifie pas que nos populations peuvent en user facilement. Et je voudrais dire ceci. Quand est-ce que nous allons pouvoir en arriver à la possibilité pour que l'eau soit gratuite dans notre pays? Vous savez, quand on arrive à acheter de l'eau, d'abord, il n'y a pas à se réjouir de ce que l'eau ne soit pas disponible. Mais aujourd'hui, quand c'est disponible, il faille encore l'acheter. Vous savez, l'eau, c'est la vie. Et tout gouvernement soucieux et responsable devait travailler à donner la vie. Et la vie, elle est donnée gratuitement. Mais nous en sommes encore à acheter. Et encore que des gens manquent diminuement même pour acheter. Là où je voudrais attirer notre attention, c'est que le travail ne sera jamais complet si en amont, on ne travaille pas à ce que chaque Béninois, comme nous sommes dans le régime de l'achat, ait la possibilité de pouvoir se donner, s'acheter l'énergie et l'eau. C'est très important. Si on ne travaille pas à ça, on n'a pas fait l'essentiel. Honorable, vous aviez parlé de la disponibilité de l'énergie et de ce que ça aide le maçon, ça aide le brodeur, ça aide le soudeur. Je suis d'accord. Si nous faisons référence à l'économie informelle, mais la quantité d'énergie que nous avons aujourd'hui dans notre pays, en amont, quelles sont les dispositions que nous avons prises pour favoriser l'implantation des grandes usines, des grandes industries qui vont utiliser cette énergie de manière à ce que nous puissions avoir de la valeur ajoutée pour notre économie nationale. Quelle est l'influence du brodeur et du soudeur sur la macroéconomie de notre pays? C'est de cela dont il s'agit. Et dans le PAG, vous avez parlé de transformation structurelle de l'économie nationale. Et donc, si l'énergie disponible, si en amont nous ne faisons pas le travail de création des grandes unités de production qui, en consommant cette énergie, vont nous donner des outils de transformation de notre économie, on n'a pas fait l'essentiel. Nous allons nous endetter, nous allons saigner pour produire des choses qui sont disponibles mais qui ne peuvent pas assurer la pérennité de notre État. C'est de cela dont il s'agit. Il ne s'agit pas pour nous de dénier les efforts du gouvernement, non. Mais il s'agit de dire au gouvernement, oui, c'est la première étape. Mais l'étape en amont, c'est que par exemple dans le domaine énergétique, il faut pouvoir qu'on mette en place des unités de consommation de ces énergies. Sinon, comment est-ce que nous aurons de la valeur ajoutée? C'est ça la réalité. Honorable, c'est cela la réalité. J'ai hâte de réagir. Oui, très rapidement, avant qu'on aille. Magnifique. Moi, j'ai réagi par rapport quand on serait dans le domaine agricole. Puisque c'est un secteur. Moi, j'ai eu à tenir de grandes rencontres où on a évoqué cela. Vous savez, ce qui ferait avancer l'Afrique, c'est la transformation de nos produits. Il n'y a pas deux choses. Notre ananas que nous vendons, nous n'allons pas tout vendre à l'état brut. Nous devons transformer. C'est un pays qui produit, un pays à climat équatorial. On produit tous les fruits ici. Mais on n'a pas les jus ici. Quand nous produisons les fruits et les jus que nous consommons,
viennent des pays saliens ou bien des pays européens. Des pays qui ne sont même pas censés produire des agrumes. Et c'est dangereux alors que nous sommes une zone tropicale, zone de production de fruits. Ça veut dire que le problème d'électricité qu'on est en train de régler, c'est ce que nous manquons maintenant. Ça veut dire que nous avons une capacité de 120 mégawatts. Et déjà, c'est annoncé une autre installation. Ça veut dire que le gouvernement est en train de répondre à nos préoccupations. Préoccupations de transformation. Ça veut dire que si nous avons assez d'énergie, c'est pour produire. Nous disons la même chose. C'est qu'on n'est pas encore à ce secteur de production agricole qu'il faut transformer. Mais pour transformer, il faut de l'énergie électrique. Qu'est-ce qu'on en fait? Même si nous faisons, vous avez bien dit, c'est un secteur qui ne génère pas directement de l'argent dans les caisses de l'État. Mais ça fait vivre les populations. Ça, c'est du social. Ceux qui parlent de social, c'est encore du social, ça là. On y reviendra. C'est tellement complexe, l'économie. Et si on ne fait tout, rien n'est à négliger. On y reviendra. Parce que la question de l'énergie, pas du social. Si, c'est du social. Tu sais pourquoi il dit ça? On y revient. Parce que le pauvre mécanicien, le pauvre soudeur, brodeur, en a besoin. Si vous ne lui fournissez pas, il est prêt à acheter. Et vous n'avez pas fait la politique nécessaire. On a vu dans un pays. Ça veut dire, ce n'est pas du social. Comment ça va? Ça veut dire que... On va pas. Oui, aujourd'hui le Bénin produit premier sur, en tête, en tout cas dans la production du coton, l'or blanc. Alors, Monsieur Dessous, c'est quand même une fierté aujourd'hui. Oui, c'est une fierté. Et il n'y a pas que l'or blanc, parce que pour ceux qui ne descendent pas dans les coins reculés, très bien, ils ne savent pas qu'il y a beaucoup de choses qui se font sur d'autres plans. Et le gouvernement a permis à beaucoup de paysans d'exceller dans leur domaine. L'acajou, par exemple. Et ce que nous mangeons tous les jours, le gari, c'est le manioc qui donne ça. Il y a une production massive aujourd'hui. Même le maïs, les cultivateurs font assez de récoltes aujourd'hui. Et depuis 2 ans, on sent qu'il y a... Moi, je ne vais pas dire que j'y mets de l'argent. Rien que pour la consommation, je vais cultiver au village. La maison n'est plus achetée à mille fois. Donc, il faut reconnaître qu'au plan agricole, il y a aussi un effort qui est fait. C'est vrai que ça, on ne peut pas mettre directement à l'actif du gouvernement parce qu'il met des conditions convenable pour permettre aux paysans de cultiver. Mais si on le dit parfois, on va croire que c'est le gouvernement qui est en train de cultiver. Donc, mais il y a aussi les conditions qui sont améliorées pour les paysans. Et aujourd'hui, ils font beaucoup de merveilles par rapport aux productions, à l'agriculture. J'allais réagir par rapport à un auditeur qui a dit quelque chose de très important. Il parle de l'administration. Parce que tout ce que nous disons là tourne toujours autour de l'administration. Fred veut que le débat soit politique, je suis d'accord. Mais le citoyen a aussi son avis dans le débat politique. L'administration aujourd'hui, le gouvernement fait un effort pour que ça soit une administration, balayée de toute corruption et de tous les caprices anciens. Mais ce n'est pas encore ça. Dans les hôpitaux, j'ai entendu notre ministre réagir l'autre fois. Parce que nous sommes sur un plateau et les citoyens nous écoutent. Malgré tout l'effort que le gouvernement fait et toutes les prouesses que ça a fait et il a fait dans le secteur de la santé, les hôpitaux, dans la plupart des cas, aujourd'hui, sont toujours mal gérés. Nous, professionnels, on travaille pour faire ramener l'argent. Et surtout que l'État a fait pour que certains privés illégaux ferment, les hôpitaux publics devaient doubler ou tripler leurs recettes. Mais on ne sent pas ça dans la trésorerie. Donc, moi, j'exhorte les proches. Ça, c'est un syndicaliste qui le dit. Oui, ça, je suis obligé de donner cette touche particulière. J'exhorte les collaborateurs du chef de l'État qui nous écoutent. Pour leur dire que dans le secteur de la santé, le problème de gestion se pose toujours. Et ça peut toujours jouer en défaveur sur les efforts du gouvernement par rapport aux réformes. C'est très important. Je ne vais pas en profondeur pour que ça ressemble à quelque chose. Mais il y a des rendez-vous. Il ne faut pas passer à côté de l'essentiel. Les hôpitaux sont toujours, certains, sont toujours mal et très mal gérés.
Donc, le chef de l'État doit taper le poing sur la table. Il a fait des comités qui surveillent les choses sur le terrain, mais ce n'est pas encore ce que nous voulons. Parce que, attention, là, il y a beaucoup de choses qui se passent et ce n'est pas encore à l'image de l'effort, des efforts du gouvernement. Et là, je tiens à le dire. Donc, l'administration, il ne faut pas croire, il ne faut pas faire croire aujourd'hui que tout est clean. Il y a l'administration qui est toujours, qui continue toujours à être comme l'administration ancienne. Et ce n'est pas la vision du chef de l'État. Très bien. Bon, c'est une parenthèse que vous ouvrez et que vous avez fermée, puisque nous parlions de l'agriculture. Qu'est-ce qui est fait concrètement? Puisque vous, par exemple, vous tenez à la transformation, à l'érection des industries, par exemple. Écoutez, l'agriculture, c'est le socle du développement de tout pays. Et notre pays ne fait pas exception. Si nous parlons de l'agriculture, du développement, ça veut dire que nous parlons des forces productives. Et la principale force productive, c'est l'homme. Oui, vous avez dit par exemple que nous sommes premiers dans bien de domaines. On produit suffisamment le maïs, tout ça, le gari, tout ça. Mais quelles sont les conditions de vie de ces paysans? Ils connaissent encore la faim. Ils souffrent encore de maladies. Pas tous. Non, ils connaissent la faim. Ils souffrent encore de maladies. Certains ont des difficultés à mettre leurs enfants à l'école. Donc, si nous avons des forces productives qui produisent autant pour notre autosuffisance alimentaire, mais qui, eux, connaissent encore des difficultés, ça voudrait dire que quoi? Et c'est là où j'essayais d'attirer votre attention depuis le début. Qu'est-ce que le PAG fait de l'humain? Parce que c'est ça le plus important. C'est l'homme qui est au centre du développement de la nation. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on a fait en 3 ans de PAG? Je rappelle que le PAG est venu pratiquement 1 an après. Ça voudrait dire que nous avons 4 ans de gouvernance déjà. On est d'accord? Pas 1 an, puisque c'était le 16 décembre 2016. On a pratiquement 4 ans de gouvernance. Alors que le PAG, c'est pour le quinquennat 2016-2021. Si ça s'arrête en 2021, puisque vous savez que nous sommes dans un pays dans lequel chaque président vient et met en place son programme d'action de gouvernement. Alors, si ça s'arrête en 2021, qu'est-ce qu'on retiendra? C'est de cela dont il s'agit. Qu'est-ce qu'on retiendra qui aurait été différent de ce qu'on a retenu après les 10 ans de Yaï, de ce qu'on a retenu après les 10 ans de Kérékou, ou de ce qu'on a retenu après les 5 ans de Soglo? Des infrastructures, oui, il y en a eu. Puisque nous en sommes là, des infrastructures, l'amélioration de certaines choses, mais l'être humain, l'homme béninois, connaît toujours des difficultés à satisfaire à ses 5 besoins fondamentaux. C'est de cela dont il s'agit. Et puis quand nous sommes venus à l'agriculture, vous le faites bien honorable. Vous dites oui, l'agriculture, nous n'avons d'abord l'homme. Nous n'avons quel est le travail que nous sommes en train de faire sur l'homme. Je ne vois pas. Tu estimes que c'est rien? Non. Que rien n'est fait? Non. C'est grave. Non, honorable. C'est grave. Honorable. Attention. Moi, je ne suis pas. Je ne suis pas ici. Je ne suis pas d'avis. Ah non. C'est son avis. Vous aurez le temps. Moi, c'est ce que je souhaite. Je souhaite que vous puissiez réagir après. Ensuite, dans le cadre, puisque ça nous sert à quoi? Si après le passage du président Talon, notre économie sur le plan de l'agriculture ne se développe pas, ça ne sera servi à rien. Tout ce que vous dites là, dans 5 ans. S'il n'y a pas continuité, ça ne nous servira à rien. On ne dira plus ça. Je ne sais pas si vous faites cette analyse. Sollicitez-vous alors l'avis favorable du chef de l'État à continuer? Non. Ce n'est pas de ça dont il s'agit. Plus il continue, plus on parlera toujours du PAG, du bénin révélé. On dira les actions ne sont pas terminées, on va continuer à en parler. Mais ce qu'il faut, quelles sont les actions qui impactent de telle sorte que après le passage de ce régime, on puisse continuer de dire, voilà les acquis que nous avions eus, qui soient différents des acquis que nous traînons toujours. Et vous parlez du développement de l'agriculture, alors que nous n'avons pas encore les outils de transformation de notre agriculture. Nous sommes incapables de produire et de fabriquer nos propres outils. Et vous voulez que moi, un acteur politique, même si je suis de l'opposition constructive, je puisse applaudir ça? Sachant bien qu'il n'y a pas de développement si nous ne sommes pas capables de produire nous-mêmes nos propres outils de transformation. C'est vrai. Mais qui pourra applaudir ça?
C'est vrai qu'on ne produit pas des outils de transformation. Et que dans le PNG. On pose encore les pieds sur des. On aura, vous aurez le temps. Pour faire le gari. Il y a des machines. Vous allez au foie. Vous aurez le temps de faire. Comme si nous n'avons pas nos génies. Honorable. Nous avons nos génies. C'est fabriquent des machines. Mais. Tout ce que nos jeunes fabriquent à l'époque. Il y a plein de machines pour vous voulez importer légèrement. Tout ce n'a pas besoin de boîtes de brasier. Et bien, nous fois. Honorable, quelles sont les dispositions pour produire du gari aujourd'hui? Non, allez. Vous aurez le temps de réagir. Que nous fabriquons. Quelles sont les dispositions? C'est trop dit. Honorable, vous n'allez quand même pas dire. Vous n'allez quand même pas dire que nous allons mettre. Comment on appelle. Au profit du PAG, les mémoires de fin de formation de nos jeunes à l'époque, où je le fabrique. Donc, quelles sont les dispositions que nous prenons pour la vulgarisation, le perfectionnement et la mise à disposition de nos producteurs de ce que nous fabriquons? Dites-moi. Il y en a. Quelles sont les dispositions que nous avons Est-ce que vous avez... Parce que ça se résume à des interrogations. Vous permettez... Non, il me pose une question. Suivez le gouvernement sur le terrain. Dites-moi. Ça commence toujours d'un point A. Quand les Japonais ont commencé par produire, on traitait leurs produits de quoi? Japon, aujourd'hui. C'est les grands fabricants des machines résistantes. Les premières motos n'étaient pas acceptées. Les radios, c'était des petites. Mais aujourd'hui, attendez que je vous parle. Aujourd'hui, je voudrais que l'honorable réponde à ma préoccupation. Je suis en train de répondre. Oui, allez-y. Et vous n'êtes pas sur ce plateau aussi. Monsieur Fred, si on ne reconnaît pas que nous avons du génie bénin. Attends. Parce que vous parlez de temps, vous permettez qu'elle finisse. Il a déploré le fait que nous continuons d'user des moyens rudimentaires dans notre production agricole, surtout dans la transformation. Je dis non. C'est pas tout à fait vrai. C'est pas vrai. Parce que quoi? Que je vous parle. Que je vous parle. Attends. Nos pays sont compétitifs. Attends. Vous avez le temps. Aujourd'hui, moi j'ai vu nos bonnes dames pour faire du gari mettre la pierre sur du gari, sur broyer dans les moulins. On met de la pierre. Aujourd'hui, il y a du génie. Ils ont fabriqué de petites machines qui permettent aux bonnes dames d'enlever l'eau rapidement et d'obtenir du gari en un temps record. Oui. Ça veut dire qu'il y a 20 ans, on met 5 jours pour produire un sac de gari. Aujourd'hui, on met une journée pour produire 10 sacs de gari. Il y a amélioration. En ce qui concerne la production, agricole en 3 ans, qu'est-ce que nous faisons dans un certain nombre d'actions? Nous n'avons pas assez de temps, vous ne nous permettez pas. En 3 ans, avec ce qui a été promis, par exemple dans le domaine agricole, quand vous prenez du recul et vous voyez ce qui est fait 3 ans après, qu'est-ce que vous constatez concrètement, fondamentalement? Dites-moi. Je n'ai pas l'habitude de vous poser des questions. Est-ce qu'il y a de prouesse en matière agricole au Bénin? Est-ce que l'agriculteur bénois se porte mieux par rapport à hier? C'est de ça qu'il est question. C'est-à-dire, voyez les résultats, les objectifs à atteindre. L'agriculteur aujourd'hui, le producteur béninois d'aujourd'hui, le producteur il y a 5 ans, est-ce qu'il y a une différence? Sinon, vous n'allez pas, vous allez tricher avec votre conscience. Moi, je sais que le Bénois d'aujourd'hui, sous les talons, s'améliore en tout point de vue. Il a évoqué le problème de santé. Qu'est-ce qu'on en fait? Attends, s'il n'est pas en bonne santé, il allait produire tous les jours que Dieu fait. Aujourd'hui, le Bénin, le
chaque arrondissement dispose de son centre de santé. Chaque arrondissement au Bénin dispose de son centre de santé. Ça veut dire que on s'occupe de la santé des populations. Je ne dis pas que tout est reluisant, tout est bien. Dans quel pays vous avez trouvé tout ça? Donc, dans les pays développés où il y a la machine, l'avion, tout, ils ne souffrent pas. Ils trouvent tout rose. Vous pensez? S'ils trouvent si rose, il n'y aura pas de gilet jaune en France. La loi pour la retraite, vous voyez ce que ça vient pour uniformiser les retraites aujourd'hui, sacré. Ça veut dire que le paradis n'est pas sur cette terre. Battons-nous et soyons objectifs. Très bien. Soyons positifs. Pour finir, il y a monsieur Ben Kwasi qui appelait de Wome Togulo, demandait, et là, la question, demande qu'il voudrait que désormais les députés imposent, c'est-à-dire qu'il y ait une loi qui impose donc d'action à l'opposition. Est-ce que c'est possible? Est-ce que je peux répondre? Non, vous aurez votre tour de moi, je peux répondre à Monsieur Dessous. Ce qui est possible, je vais vous le dire. Bon, on n'a pas parlé. Je laisse. Parce que je suis aussi un citoyen. Je suis un peu la mouvance et l'opposition. Mais c'est très pertinent. C'est son idée, puisque ce n'est pas une question, c'est une proposition, en fait. Au fait, qu'est-ce qu'il veut dire à mon entendement? Il est en train de dire, les opposants aussi n'ont qu'à s'organiser pour nous dire si eux, ils avaient le pouvoir, ce qu'ils allaient faire chaque fois pour améliorer les conditions de vie des citoyens et améliorer l'État. Qu'est-ce que moi j'ai compris par là? Il ne suffit pas seulement de critiquer à longueur de journée. C'est ce que le téléspectateur est en train de dire, l'intervenant est en train de dire aux opposants. Moi je ne juge pas les opposants. Mais dans d'autres pays, nous avons vu que lorsque l'opposition a un statut, tout ce qu'ils font là, c'est dans le cadre, effectivement, de permettre aux gouvernants qui sont là d'améliorer aussi leurs idées. Parce que lorsqu'il y a confrontation des idées, il y a des propositions, ça améliore forcément les choses. Mais ce à quoi nous assistons souvent dans les pays africains, ce n'est pas forcément au Bénin, c'est que nous avions gardé le pouvoir pendant un temps, on n'est plus là, vous êtes là. Qu'est-ce qu'il faut faire pour vous renverser et revenir encore au pouvoir? Dans cette logique, nos États ne vont vraiment pas profiter de la mouvance et de l'opposition. Parce qu'il faut montrer aux gens que lorsque nous étions là, on avait fait mieux que vous. Et quand on va revenir, on va toujours faire mieux que vous. C'est l'idée qui doit rayer entre celui qui est au pouvoir et celui qui se déclare opposant. Mais ce n'est pas ce que nous constatons au Bénin. Et c'est bien dommage. Très bien. Fred Koum? Oui, j'allais dire que... Oui, la charte des partis politiques existe. Et il y a des partis politiques comme les nôtres qui n'ont pas des programmes d'action de gouvernement parce qu'ils ne sont pas au gouvernement, mais qui ont des projets de société. Dans le cas d'espèce, le nôtre, c'est l'humain d'abord. Et tout ce que je suis venu faire sur ce plateau, c'est de jauger le programme d'action du gouvernement à l'aune de notre projet de société. Et de comprendre que si nous avons été à la place du gouvernement, par exemple, oui, vous avez travaillé à ce qu'il y ait des hôpitaux dans chaque arrondissement. Mais nous sommes en mesure d'aller au-delà. Travaillons pour que chaque Béninois ait les moyens de se faire soigner. Travaillons pour que les soins soient à moindre coût. Travaillons pour que le paysan béninois qui produit et qui, pour nous donner l'autosuffisance alimentaire, puisse être lui-même à l'abri du besoin. C'est de cela dont il s'agit. Notre projet de société met l'accent sur l'humain. C'est ce que fait le gouvernement. Notre projet de société met l'accent sur l'humain. Et c'est pourquoi je voudrais dire à M. Tofi, la politique, ce n'est pas du bavada stérile. C'est l'organisation des actions économiques et sociales en direction des couches les plus fragiles et les plus vulnérables. Et c'est ce que nous sommes venus faire ce soir. Apprécier le PAG à l'aune du projet de société. Sur le terrain, c'est pas ce que nous constatons. Donc je suis d'accord pour dire qu'on n'a pas obligé de passer par une loi afin que les partis politiques dits d'opposition se dotent d'une vision problématique, d'une feuille de route. Je ne suis pas venu sur ce plateau pour apprécier les efforts du gouvernement et ce n'est long. Mais j'apprécie les efforts du gouvernement par rapport au projet de société qui est celui de notre parti politique. Il y a eu bien de réformes sur lesquelles nous avons eu presque les mêmes positions avec
avec le gouvernement, notamment dans le cadre des réformes politiques et institutionnelles. Mais là, nous sommes dans la gouvernance. Nous sommes dans la gouvernance de notre pays. Et les difficultés que nous avons avec le gouvernement résident dans l'organisation et la conduite des affaires économiques et dans l'approche des questions sociales. Et c'est ce que je suis en train de vous montrer ce soir, honorable. Et donc, on n'a pas besoin de passer par une loi. Donc, très bien. Merci, oui. Monsieur Prenou, j'ai bien compris. Merci. Je crois que... Qu'est-ce que... Si je dois te poser une question. Oui. Le projet L'Arche, mm-hmm. qu'est-ce que tu en dis? Okay. Non, on va pas... Il faut répondre à la question lui, du téléspectateur. Parce que tout ce que le gouvernement fait, le gouvernement ne prend pas en compte l'être humain. Et je dis, c'est faux. L'homme, l'humain, c'est l'alpha et l'oméga. Tout développement passe. Ce qu'on peut prendre en compte en tout premier lieu, dans tout projet de développement, c'est l'être humain qui fait le développement. Ce n'est pas les hommes. Leur santé d'abord. Si vous voyez comment le gouvernement se bat pour la santé des populations, vous n'allez pas dire ça. Ça veut dire que... C'est pas que je te pose la question. Oui. Je vous pose la question, excuse-moi. Non. Le projet Arche, ce n'est pas rien. Ça veut dire qu'il y a des démunis dans ce pays dont il faut venir en aide. Donc, un gouvernement qui fait ça, jusqu'à avoir un programme comme ça, je crois que nous partageons les mêmes problèmes. Merci. Répondez à la question parce qu'il y a d'autres questions. L'opposition vient parler de la politique avec son parti. Ils sont partis à des objectifs. À travers les objectifs, le programme du parti pour accéder à la gouvernance, chaque parti créé travaille pour accéder à la gouvernance. Et dans ça, il a en son sein un programme. Et dans chaque secteur, il y a un ministre virtuel. Si c'est un parti structuré. Il a en son sein un ministre virtuel. Oui, là, il sait, au sein de son parti, il y a des questions pour lesquelles on est obligé de se référer à lui. Par exemple, lui, il est dans ce domaine. Et c'est comme ça les partis dignes du nom sont structurés. Il y a des ministres virtuels qui s'occupent des questions d'actuel, des questions structurelles et répondent aux actions du pays. Je vais apporter les réflexions de nos ministres. Attends, je viens. Que je te fasse. Je sais ce que je veux dire à notre téléspectateur. Il a été dit dans ce pays, c'est le président Soglo qui l'a dit. Il dit la vitalité d'un gouvernement, la vitalité de l'opposition est un stimulant pour le gouvernement. J'aurais voulu que l'opposition dans notre pays soit constructive. Et ça va aider le gouvernement qui puisse se tromper. À corriger. Ça doit aiguillonner le gouvernement. Que de chercher à jeter des pots de ballon pour faire échouer un gouvernement, ça ne fait pas bien pour le pays. J'aurais besoin d'une opposition constructive. Le gouvernement n'a pas. L'opposition n'a même pas besoin d'avoir un programme. L'opposition n'a pas besoin d'avoir un programme d'action. Par exemple, l'opposition n'est pas au gouvernement. Sinon, l'opposition a déjà son plan d'action. Et dans son plan d'action, avant d'être parti, en regardant, en observant un parti, on peut savoir concrètement si ceux-là viennent au pouvoir, de quoi ils seront capables. Très bien. Il y a un téléspectateur qui se demande, après un certain nombre d'observations, que réclame l'opposition béninoise, concrètement? Écoutez, il y a plusieurs oppositions. Oui, tout à fait, mais bon, comme vous êtes là... Moi, je vous dirais ce que notre opposition réclame, ce que l'opposition constructive réclame, c'est que le gouvernement aille plus loin dans ses choix, c'est que l'analyse soit plus poussée. Et comme je l'ai dit, notre projet de société étant basé sur l'humain, nous voudrons d'abord une amélioration des conditions de vie de nos compatriotes. Regardez, par exemple, beaucoup de Béninois n'arrivent plus à manger à leur faim.
il y a la mévente qui s'est mangé mieux avant, aujourd'hui ne mange plus. Je dis il n'arrive plus. Non, attendez. C'est comme si mangeait mieux avant, aujourd'hui ne mange plus. C'est d'actualité. Les opposants arrivent. Honorable. Lorsque on ne mange pas, on ne vit pas, on souffre trop. Ça date de mon arrière-grand-mère. On n'a jamais apprécié. C'est honorable, on va lui permettre de... Honorable, oui. Je vous ai demandé tout à l'heure de ne pas être égal. D'accord. Vas-y. Lorsque merci. Nous avons 70% de notre population qui connaît le chômage... C'est vrai, là tu as raison. Comment voulez-vous que les gens mangent à leur faim? Quelqu'un qui ne travaille pas n'a pas de revenus. Nous devons et s'il n'a pas de revenus, comment il peut pouvoir subvenir à ses cinq besoins fondamentaux? Deux minutes sur le chômage. Quand nous avons 52% de notre population constituée de femmes, de nos marchés, qui connaissent la mévente. Vous avez parlé tout à l'heure du New Deal. Très bien. Qui a lancé l'économie américaine. L'économie américaine a été lancée par les grands travaux. Mais la plupart de ces grands travaux étaient réalisés par des entreprises américaines, qui étaient des entreprises nationales. Et il y avait en amont la formation de l'élite, qui était une formation technique. Regardez par exemple, nous avons encore un système éducatif qui forme au rabais. Nous mettons encore nos jeunes à l'université et pendant 4 ans, nous leur donnons des bourses. Quand ils finissent, ils se rendent compte que le monde du travail ne les a pas prévus. L'inadéquation. Oui, alors, le PAG a dit, dans le cadre de la transformation de l'économie structurelle de l'économie, a prévu le renforcement du système éducatif. Est-ce que déjà, des actions sont faites dans le cadre de ce que l'éducation puisse produire au contact de la science et de la technologie, les outils qui nous permettent de nous développer. Voilà en fait des choses que, sur lesquelles nous sommes en train d'attirer votre attention. Très bien, donc c'est ça. Et votre contribution par rapport à ça. Notre contribution, c'est ce que nous disons. Mais c'est d'attirer votre attention. Si vous ne voulez pas... Maintenant, allez lire. Si vous ne voulez pas qu'on bagarre, aujourd'hui, laissez-nous la place. On aura d'autres occasions de revenir. D'accord, on aura... Le chômage. Le mot... Le mot de fin. Le chômage. C'est votre mot de fin. C'est mon mot de fin. Oui, je peux vous parler. Vous savez, au niveau du secteur de l'enseignement, quelque chose est en train de se faire. Adapter la formation à nos besoins. C'est dans le PAG. Adapter la formation à nos besoins. Les gens vont étudier. Si moi j'apprends aujourd'hui à être mécanicien de l'avion, où je vais travailler? Et où je vais travailler? Ça va être difficile pour moi, alors que j'ai été un génie bien. Parce que là-bas, là où on fabrique les avions, il y a aussi beaucoup de génies qui souffrent, qui ne trouvent même pas. Le chômage ne date même pas de notre époque. Et ce n'est pas seulement au Bénin. Je vais vous dire une chose. En 1965, j'étais encore jeune, très jeune. On était sorti de l'église un dimanche matin. Et mes aînés parlaient. Ils disaient, à ta foi, que vous savez qu'à Boïcon, le brevet était en train de vendre du pain. En 1965. Et ça m'a pénétré. Le brevet était en train de vendre du pain. Ça veut dire quoi? Le chômage, ça a commencé avec notre indépendance. On était combien de Béninois aux indépendances? 2 500 000 ou bien 1 million et quelques. Aujourd'hui, 11 millions. Quelles sont les politiques successives qui nous ont mis dans ça là? On veut copier le blanc, tout le monde cravate. Quand tu vois un ingénieur agronome aujourd'hui se mettre en cravate, tu attends de lui quoi? Tout le monde va être cadre de conception. Même s'il est cadre de conception, je crois que il doit être plus sur des espaces, sur le terrain. Sinon, parce qu'il y a aussi le phénomène de la corruption qui fait que tout le monde veut aller travailler à la fonction publique. Je crois qu'avec le temps, ce qu'on est en train de faire, la lutte contre la corruption, permettra déjà à ce que les jeunes se réorientent. Aujourd'hui, nous avons besoin de beaucoup de menuisiers. On n'en trouve pas. Beaucoup de lettriciens n'en trouvent pas. Alors qu'un soudeur mieux formé, c'est comme s'il a fait sa maîtrise. Il sait fabriquer quelque chose. Donc, plus de priorité à la formation pour
professionnel. Et la formation doit être adaptée à nos besoins. C'est très tout. Bien. Très bien. Pour finir, profil dossier. Il y a un volet très important que j'avais oublié, même que je fais en conclusion. Il y a le volet équipement que le gouvernement actuel a amorcé. Le CNHU, depuis l'indépendance, n'a jamais eu l'imagerie par résonance magnétique, et qu'on appelle IRM. Le bâtiment est en train d'être construit, le matériel est déjà là. Et moi, j'exhorte le gouvernement à continuer pour tous les hôpitaux, parce qu'il faut vraiment équiper pour que nous soyons modernes. Mais j'insiste que le chef de l'État, pas personne interposée, veille vraiment sur la gestion des hôpitaux. Parce qu'il ne sert à rien que le gouvernement fournisse beaucoup d'efforts et que les hôpitaux soient mal gérés. Ça, je tiens vraiment à le souligner sur ce plan. Très bien. Fred Fronou, pour finir. Oui, merci beaucoup. Je voudrais dire que en parcourant le PAG, nous avons remarqué que dans le premier axe intitulé consolidation des bases de la démocratie, de l'état des droits et de la bonne gouvernance, on a parlé de la bonne gouvernance. Et bien, la bonne gouvernance, c'est pas seulement la capacité à bien gérer, c'est pas la capacité des dirigeants à pouvoir mettre en place un bon projet de société. C'est aussi la capacité à pouvoir associer leurs compatriotes aux actions qu'ils entendent mener pour le développement de l'entreprise nationale et à les associer étroitement aux prises de décision. Je pense que ces trois dernières années, dans l'exécution du PAG, a manqué vraiment l'association des Béninois, parce que les Béninois ne comprennent pas toujours ce qui est fait en leur nom et ce qui est fait réellement pour eux. Et je voudrais finir par dire que, vous savez, pour qu'une nation ait du succès, ce n'est pas, c'est tous ses fils qui doivent se réunir autour. Pour se réunir autour, il faut pouvoir comprendre ce qui est fait et trouver les passerelles nécessaires. Et il faut pouvoir écouter tout le monde. Tout le monde n'est pas censé voir les choses de la même manière. Nous sommes tous des hommes différents avec des conceptions différentes de notre monde. Donc je pense que nos amis d'en face auraient par moment à gagner à nous écouter aussi pour que nous puissions apporter nos contributions à ce qui est fait. Puisque ce qui est fait au nom de nous tous et à notre profit à nous tous. Très bien. Merci. Merci à vous, chers invités, chers téléspectateurs. Merci à vous tous. C'était Programme d'Action du gouvernement 3 ans après. Que retenir? Ce programme d'action pour le quinquennat du président Patrice Talon 2016-2021, presque une boussole ambitieuse avec nos invités Fred Kouanou du parti Foscori pour le développement du Bénin, monsieur l'honorable, je dirais, Aronoukou Marcelin, président du groupe parlementaire Union Progressiste à l'Assemblée nationale, et de Théophile Dossou, syndicaliste, il est ici sous double casquette, syndicaliste, secrétaire général de l'unité CNHU, et puis simple citoyen. Avec vous, donc, nous avons parcouru toutes les questions. Romain, oui, merci d'être là. Nous disons merci donc à tous les téléspectateurs qui ont participé à cette émission par leurs appels, leurs interventions, et ceux qui nous ont suivis. Le rendez-vous reste continu, en tout cas sur ETélé. Merci pour cette soirée, pour cette compagnie. On se retrouve très très prochainement pour d'autres émissions spéciales. Bonsoir.